vaste et inexplorée, mais tout proche, tout près de nous. Des hommes et des femmes travaillent ensemble à construire un meilleur futur. En secret, ils sont là, dévoués. Travaillant ardemment, aidant l'humanité, main dans la main et cœur à cœur, nos frères et nos sœurs des étoiles. Un homme raconte son histoire parmi eux. Les choses incroyables qu'il a vécues, les gens extraordinaires qu'il a rencontrés, d'autres races, d'autres peuples. Aujourd'hui, il parle. Cet homme... Cet homme est Jean-Charles Moyen. Bonsoir à tous. Ce soir, j'ai un invité extraordinaire, Jean-Charles Moyen. Jean-Charles Moyen, vous êtes un Français qui habite au Canada, terre de changement extraordinaire en ce moment. Jean-Charles, vous avez été enrôlé dans les programmes spatiaux secrets français. C'est très, très intéressant. Vous avez plein de preuves. Vous avez. Euh, une histoire assez extraordinaire à raconter. Jean-Charles, bonjour, comment allez-vous Bonjour Elena, ça va bien, très bien. Je commence à être habitué un petit peu aux, aux entrevues euh, avec <laughs> Michael puis avec, euh, avec vous aussi. Donc, euh, je dis vous, je dis toi, je ne sais pas. Euh, on va se tutoyer donné... parce qu'en fait, en réalité, hein, pour l'audience, on ouais. se tutoie. Donc, on va, être, on va se mettre, Jean-Charles et moi-même, voilà. on, va se, moi on va se mettre plus à l'aise en oui c'est mieux toi comment on, on oh, le fait ouais. naturellement euh, donc euh, Jean charles eh bien tu as tu as été enrôlé dans les, les programmes spatiaux secrets français mm -hmm. tu as déjà raconté ton histoire sur euh, sur la chaîne de michael salah et on a même fait une, une, une émission en anglais et mais aussi tu as tu as, tu as, tu as créé des, des capsules enfin, on en parlera à la fin oui. c'est quelque chose qui raconte en, en fait toute l'histoire. Et ce soir, je voudrais te demander euh, plus d'accès de, à ton récit sur les petits détails, les, les anecdotes, tu vois. Alors, oui, oui. en premier, c'est ça qui est croustillant, qui, qui, qui vraiment ben oui, ben oui, ben fait oui. comprendre à tout le monde que, en fait, tu, tu as vraiment été euh, là-haut et tu as vraiment vécu oui. des choses, tu vois. Ah, ben bah oui, oui, oui. Puis en plus, je ne suis pas le seul à le corroborer. Donc, euh, c'est sûr <laughs> oui. que quand tu penses que c'est rien de ton imagination, bon, c'est possible. Sauf que quand une personne que tu ne connais pas te raconte la même chose avec les mêmes détails et les mêmes situations, ça commence à être un peu bizarre. Bah, c'est plus possible que ça soit du hasard. Non, ce n'est pas du hasard. Et, alors là, il <laughs> y, a, y, a, y a David Rousseau, hein, David Rousseau, oui, qui a, ça, Exactement. Qui a, ouais, ouais, ouais. qui a une histoire parallèle et. Euh, parallèle à la tienne, mais aussi avec des, des entrecroisements, hein. c'est tout assez à fait incroyable. Ouais, 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 ouais. Euh, mais, mais tout d'abord, euh, j'aimerais bien aussi que tu me parles un peu de tes, tes rencontres avec David Rousseau en orbite <laughs> et oui, oui, ondes. <laughs> oui. euh, Tout d'abord, pourquoi toi Pourquoi toi Tu as, ah. tu as été choisi. Pourquoi toi Tu as été choisi pour ces programmes. Grande question. Alors, pourquoi moi Eh bien, ouais. parce que euh, bah déjà, ça a commencé quand j'étais tout petit. Euh, J'avais 4 ans et j'ai disparu sur une plage euh, en Charente-Maritime, en France. J'étais euh, avec mes parents et puis d'un seul coup, piof, j'ai disparu pendant une heure. Donc, on m'a cherché partout sur la plage, on ne me retrouvait pas. Et d'un seul coup, je suis réapparu devant mes parents euh, comme par enchantement, euh, ce qui est complètement impossible, bien évidemment. Euh, mais pendant la période où j'ai disparu, c'est-à-dire pendant l'heure où j'ai disparu, des années plus tard, euh, j'ai eu euh, la, à, à ma connaissance, euh, j'avais des souvenirs déjà très brefs, mais là j'ai eu la confirmation par une hypnose de régression sur ce qui s'était passé pendant cette heure. Et j'ai été en fait abducté par euh, une intelligence euh, au-delà de notre monde, extraterrestre, dirons-nous, et euh, très positive, bien sûr. Dans lequel euh, j'ai participé euh, à différentes, euh, différentes choses euh, au niveau d'un programme spatial extraterrestre à ce moment-là, lorsque j'étais enfant. Et je ne voudrais pas trop embrouiller les gens et je vais leur parler de ce qui s'est passé après. C'est la raison pour laquelle j'ai été sélectionné par la suite parce que j'avais déjà été dans quelque chose d'extérieur euh, comme programme. Donc en fait, j'ai été dans deux programmes. C'est un scoop. <laughs> j'ai été dans un programme secret spatial extraterrestre mmh. et j'ai été dans un programme secret spatial terrestre avec des extraterrestres. Donc, j'avais déjà des connaissances déjà au fond de moi qui étaient déjà préétablies par ma première abduction que j'ai eue quand j'avais 4 ans. Et, et après, lorsque je suis revenu euh, sur cette plage-là à 4 ans, de 4 ans jusqu'à mon adolescence et à mon âge adulte, j'ai développé des capacités très, très, très euh, comment je pourrais te dire <coughs> Extrasensoriel, euh, télépathie, télékinésie et téléportation. Tout cela était physique. C'était pas des choses, je m'imaginais que je bougeais les choses. Je les bougeais réellement. Et puis mes parents, mes amis, puis d'autres personnes que je connaissais étaient témoins de ces phénomènes avec l'électricité qui descendait, euh, les gens que je touchais et qui, euh, qui comment dirais-je, euh, se rétablissaient euh, spontanément. Les animaux, pareil, euh, j'avais une interaction comme ça avec euh, mon environnement qui était assez stupéfiante. Et euh, suite à ça, euh, lorsque j'ai été euh, en âge, euh, en, en tant qu'adolescent, j'ai eu euh, une grave insolation euh, dans, un, dans un, une colonie de vacances. J'allais dire camp de vacances, parce que c'est ici, c'est camp de jour, c'est comme ça qu'on dit au Québec. Donc, en, en colonie de vacances, j'ai eu une très grosse insolation. J'ai été hospitalisé d'urgence. Et euh, comme je me plaignais beaucoup de ma tête et que j'avais des maux de tête euh, incroyables, on m'a fait passer un scanner pour savoir euh, ce qu'elle n'est pas, parce que j'étais très déshydraté. Et sur la, le premier euh, scanner, on a vu une espèce de tache et euh, on a pensé que c'était une poussière sur le scanner. Et euh, sur ce scanner, en fait, en le refaisant, on s'est rendu compte que c'était quelque chose de métallique, donc quelque chose d'étrange. Suite à ça, je suis resté hospitalisé plusieurs jours et euh, dans la chambre où j'étais, euh, je perdais connaissance souvent parce que j'étais très déshydraté. On m'avait mis une intraveineuse dans le bras, donc euh, avec du glucose et tout ça. Et j'entendais parler un médecin avec un militaire. Chose étrange quand même qu'un militaire soit là alors que j'étais civil, tu vois. Et il regardait mes radios et euh, je comprenais pas ce que, le, ce que le gars disait, non pas parce que je perdais connaissance, parce que j'entendais qu'il parlait français, le, le, le médecin, mais l'autre à côté, il parlait allemand. J'ai toujours trouvé ça un peu un peu étrange, tu vois. Et puis j'ai perdu connaissance de nouveau, et puis euh, ainsi de suite comme ça. Et à un moment donné, j'ai été réveillé par un militaire avec les cheveux blancs et les yeux bleus qui m'a dit dépêche-toi, lève-toi, suis-moi, on va être en retard, on va louper le saut. Qu'est-ce que c'est que ça De quoi il me parle Et, et qu'on prend un couloir. Je suis en jaquette d'hôpital. Ouais. Puis je traverse le couloir. J'arrive au fond du couloir, il y a un ascenseur qui s'ouvre, et là il y a un militaire habillé tout en noir avec sur la poitrine un triangle rouge. Et puis je prends l'ascenseur. Moi je pense que je vais dans un département différent, tu comprends, parce qu'ils ont trouvé quelque chose de bizarre, puis euh, il faut m'amener dans une autre section. Et puis d'un seul coup, euh, on descend. Mais tu sais, ça fait un bout de temps qu'on descend. Je dis, merde, euh, c'est profond quand même pour un hôpital, c'est pas normal. Et là je commence à être un peu en panique, tu vois. Je me dis... Euh, il y a quelque chose de pas clair. Et là, dès que je commence à avoir un stress, les lumières commencent à, à papillonner, pff, comme ça. Et là, je commence à avoir un peu peur. Tout, hein. Et là, le militaire se penche et me dit T'inquiète pas, tout va bien, rassure-toi, calme-toi. Il ne va, va rien t'arriver. On arrive en bas, les portes s'ouvrent, mais ce n'est pas les mêmes portes, en fait, euh, par lesquelles on est rentré. On dirait qu'il y a des portes qui se sont matérialisées devant nous. Ça s'ouvre sur un grand hangar immense. Et là, il y a plein d'enfants en jaquette d'hôpital qui sont à la queue de leu comme ça, en train de marcher. Et là, le militaire me dit, c'est ici que ça s'arrête pour moi. Bon courage, t'inquiète pas, tout ira bien. Et il s'en va. Et là, je me dis, curieusement, j'ai pas peur, tu vois, je suis là, euh, comme si quelque chose me rassurait en me disant, tout va bien, tout est sous contrôle, tu pas à avoir peur. J'arrive devant une table, et là, il y a une femme qui me dit, mettez votre main dans la boîte, ma main dans une boîte, il y a comme une lumière qui passe c'est pour prendre ma signature ADN, comme si je donnais mon accord à quelque chose. Et là, en me tend une combinaison noire, One Piece, tu sais, une, ouais. un seul morceau, là, avec un logo ici, avec un cheval ailé, couleur argent. Et elle me dit, va rejoindre les autres qui sont là-bas. Va là-bas. Donc là, je, je m'en vais dans la ligne. Et on arrive devant une espèce de grande, grande lumière dans un tunnel. Et là, sur le coup, je sens plein de petites aiguilles qui me pénètrent. Et hop, je perds connaissance. Et d'un seul coup, dès que je rouvre les yeux, je suis dans un autre hangar. Et là, il y a plein d'autres enfants. Et là, on est testé sur nos, 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 nos facultés, toi, télékinésie, euh, télépathie, etc. Et on nous fait rentrer dans des endroits pour nous foutre la trouille, pour voir notre degré de contrôle au niveau de notre peur. C'est assez spécial. Hein Donc, des trucs immondes, hein, tu vois, vraiment. Et il y en a plein qui… Il y en a plein qui capotent, quoi, dans le sens qu'ils euh, échouent. C'est un test. Ils testent notre peur. Moi, visiblement, je réussis les tests. Et au moment où j'ai réussi les tests, je vois le, le même radiologue qui parlait avec le militaire allemand qui dit, et je l'entends très très bien parce qu'il parle fort, hein, il, il y en a plein en blouse blanche c'est le garçon dont je vous ai parlé tant, tantôt, c'est lui. Là, il me fait signe de venir et il me dit d'aller dans une pièce plus sombre, plus loin. J'ai été présélectionné. Visiblement, c'est ce que ça veut dire. Je rentre dans l'obscurité dans une pièce. Je t'en parle, j'ai encore des frissons. C'est vraiment très, très bizarre. D'ailleurs, ça, ça me donne des frissons souviens, partout hein. sur le visage. Je oh ouais, me souviens. Je rentre dans une pièce et au moment où <coughs> ma vision s'habitue à l'obscurité, je vois devant moi une immense menthe, mente <coughs> religieuse, avec des yeux énormes, avec euh, la peau un peu comme verdâtre, couleur cuir, qui approche de moi et qui me parle par télépathie qui me dit, rassure-toi, je ne te ferai pas de mal, tu as été sélectionné. Et elle pose sa grosse patte velue sur mon épaule, et d'un seul coup, je la regarde, et pouf, je perds connaissance. Quand je rouvre les yeux, je suis dans le lit, à l'hôpital. Là, je me dis, c'est quoi cette affaire-là Je n'ai pas rêvé, j'ai encore la sensation, je t'en parle, puis je ressens quasiment encore la patte, Toi, c'est bizarre, mais bienveillant, hein, vraiment très bienveillant, pas de négatif, rien du tout. Et là, j'ai encore des nausées, je ne me sens pas bien, et je repère connaissance dans le lit, et je suis réveillé par un bruit de klaxon. Comme ça, là, je rouvre les yeux, et je suis dans l'autobus pour retourner à la colonie de vacances. Je suis avec mon sac, mm -hmm. puis je quitte l'hôpital. Et là, c'est comme, oh yeah, yeah, qu'est-ce qui s'est passé là ouais. C'est là, je retourne dans la colonie de vacances, et c'est là qu'il y a autre chose qui démarre après. Des, des, je, je vais t'arrêter euh, quelques minutes. J'ai des questions déjà. Oui, euh, cette, euh, ce cheval ailé, c'est un signe, on dirait. Oui. Qu'est-ce que tu, tu, as, tu as réussi à trouver, ce que, à quoi ça correspondait oui. Alors c'est quoi ben, j'ai fait des recherches et puis ouais. je suis tombé sur euh, sur un, une opération aux États-Unis qui s'appelait l'opération Pegasus, mm -hmm. Opération Pégase, qui euh, Andrew Bassiago euh, avait parlé de cette espèce d'opération qui était qui consistait à envoyer des enfants. Euh, dans le futur ou dans des, dans des dimensions euh, différentes de la nôtre, où elle est sur Mars, et euh, c'était un cheval ailé euh, représentant le Pégase, et c'était l'opération Pégase. Et euh, euh, ça s'appuyait sur les travaux de Nikola Tesla avec la téléportation et avec euh, les trucs quantiques et tout ça, euh, avec des, de la rétro-engineering. Donc j'ai trouvé ça très étrange qu'il y ait un programme Pegasus aux États-Unis et que moi, la combinaison que j'avais, il y avait un cheval ailé dessus. quoi et je me souviens très, très bien du cheval. C'était très stylisé. Tu vois, il y a eu des profils avec une aile comme ça sur le côté. Euh, je ne sais pas si je t'avais envoyé une, une image de oui, ça. Oui. Oui, oui. Et donc, il euh, y, y avait cette espèce de, de, de correspondance entre les deux, alors que je me suis dit, bon, mais ça, c'est américain. Tu vois, oui. alors que nous, on est français. Mais c'est là que je me suis rendu compte que les États-Unis et la France avaient des accointances, notamment pour le CERN le centre d'études en recherche nucléaire ouais. euh, qui est en Suisse. Ouais, et en Suisse, euh, il se passe des trucs un peu bizarres dans les laboratoires là-bas. Hein. De toute façon, on ne se le cachera pas, c'est n'est pas moi qui le dis, hein, ça, tout le monde le sait. Hein. Il y a des orages électriques euh, violets, mauves, et le courant est coupé euh, pendant, pendant plusieurs heures. Okay, et euh, des portails, parce qu'ils ont créé, euh, et ça vous pouvez le faire des recherches, hein, ils ont créé des, des canons à particules. Pour aller euh, chercher la particule de Dieu, c'est-à-dire euh, créer des trous noirs en fait en laboratoire. Donc c'est très intelligent, bien sûr. Hein. Déjà qu'on ne sait même pas ce que fait un trou noir hein, à la base dans l'espace, tant créer un en laboratoire, c'est quand même assez. Euh, mm -hmm. C'est quand même dangereux. Toujours est-il qu'ils ont créé un projet qui s'appelait le projet Awake. Et évidemment, euh, les États-Unis ont participé pour 581 millions de dollars au financement de ce réacteur. Qui pourraient créer des trous noirs en laboratoire. Trous noirs, là on est carrément dans l'opération Philadelphie, opération Montauk, mm -hmm. on se rapproche de ce que dit Andrew Basiago. on est carrément dans le projet Pegasus, on est en plein dedans. Alors, comme on sait quand les États-Unis et la France ont de, de très bonnes relations, on peut imaginer qu'il y a eu des, des, des choses qui ont été faites conjointement. D'accord. Tu parles de téléportation parce que oui, tu, tu décris oui. exactement passer à travers un portail. Hein? Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, je personnellement, euh, je, je n'ai jamais eu l'opportunité de, de, de passer à travers une Stargate ou un portail, mais j'ai okay. été téléporté plusieurs fois. Ok. Et c'est la même sensation que je ressens des aiguilles partout, 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 partout. Oui, oui, oui c'est ça. C'est des milliers d'aiguilles qui... Oui, voilà. oh, oui, oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis euh, tu te sens dizzy. Oh, L'autre fois, tu voilà. m'as dit dizzy, donc là, voilà. j'ai gardé Dizzy, mais c'est étourdi. C'est ça. étourdi. Voilà. Un peu comme quand tu fais tes lacets, puis tu te relèves d'un coup, tu fais Oh, je me suis relevé trop ça. vite là ». Tu te relèves d'un coup. Moi, quand on me téléporte dans le, le, le vaisseau de, de Toran, mm -hmm. il y a toujours... Il... Usually. Euh, normalement, c'est lui qui est là pour me réceptionner parce ouais. que quand je, quand je, je, je suis recomposée, euh, j'ai vraiment la tête qui tourne et j'ai un vertige. Je tiens pas bien okay. sur mes jambes, j'ai un vertige et des fois, ça m'est même arrivé d'avoir un peu mal au cœur. Euh, mm. Si je suis très fatiguée ou j'étais pas bien au départ, j'ai mal au cœur un peu, tu vois, comme le mm, mal de mm. mer hein. et euh, il doit me retenir, puis ça vient, ça, ça, ça se rétablit. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu pendant qu'on est sur ce sujet, euh, ouais. tu as, tu m'as parlé de téléportation. Oui. Que tu avais, lorsque tu étais enfant, ah, euh, oui, des, oh, ouais. des habilités mmh. de te téléporter. Bon, tu racontais oh, euh, ces, ces, ces histoires là, mais euh, maintenant je me dis, est-ce que tu penses que c'est, tu as ce don de téléportation euh, depuis? Euh, que tu as été euh, enlevé et oui. euh, ou tu l'avais déjà avant Est-ce que ce serait hmm. une conséquence de ça ou pas Je te dirais que c'est une bonne question parce que à mon avis je pense que je possédais déjà cette capacité de mon ancienne vie en tant qu'extraterrestre lorsque j'étais dans les programmes spatiaux extraterrestres mmh. et que je les ai conservés ouais. et que quand je me suis fait enlever à 4 ans, je suis allé entre guillemets remplir pour quelque chose. Alors pas à quatre ans, bien sûr. Les gens pensent que eh, il est allé à quatre ans faire la guerre. Non, 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 non. À quatre ans, mon esprit était dans un, dans un corps d'enfant. Et ensuite on m'a réintégré pour pour ou régresser ou accélérer. Donc dans les deux sens, j'ai participé à deux programmes. Mais je pense que j'avais déjà ces capacités en naissant, parce que déjà à ma naissance, lorsque je suis né, euh, il s'est passé quelque chose de très bizarre. Euh, ma mère était en train d'accoucher à l'hôpital et il y avait un orage électrique qui était juste au-dessus de la chambre d'hôpital où je suis né. Juste au-dessus de, de la chambre. C'est vraiment localisé. C'est tu sais, comme quand des fois il pleut à un endroit et puis... Bon. Et, 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 et ma mère m'avait appelé le capitaine tempête à cause de ça. Parce qu'il y avait des éclairs qui lézardaient le ciel et toi déjà, l'électricité était parmi moi. Euh, parmi moi, parmi... Parmi nous, parmi nous. Donc, autour de, autour de nous, en fait, tu vois, déjà. Donc, euh, j'ai trouvé ça assez, assez étrange. Donc, je pense que je les avais déjà. Je pense que quand j'ai été enlevé à 4 ans, c'était probablement pour euh, ajuster des paramètres ou quoi que ce soit, mais tout était déjà écrit avant que j'arrive. Mmh. C'était évident. Euh, je n'ai pas été enlevé par hasard. Et qu'après, euh, eh bien j'ai été repéré, tout simplement, déjà à l'hôpital, à cause de ce que j'avais dans le crâne. Alors, la réponse que les gens vont se poser, mais est-ce qu'il l'a toujours La réponse est non. Je ne l'ai plus. Parce qu'avant, je, je sonnais quand il y avait des portiques. Et là, je ne sonne plus. Donc, ça a dû être corrigé. Donc, euh, on ne m'ouvrira pas le crâne pour vérifier si j'ai quelque chose dans le crâne. Je vous rassure, je n'ai plus rien. Mais pour la téléportation, en ce qui concerne la téléportation, euh, les gens peuvent dire ah oui, mais c'est de la téléportation ou c'est du dédoublement ou c'est un voyage astral. Alors non. Et je vais vous expliquer euh, ce qui s'est passé la première fois que ça m'est arrivé. J'étais à l'école, j'étais en cours pendant un examen et pendant cet examen, j'ai décidé, bien évidemment, comme ça arrive souvent avec le stress, d'aller aux toilettes, faire pipi. Hein tu stressé, tu as envie d'aller aux toilettes. Et là, évidemment, pour pas que tu triches, on t'empêche de te lever. Donc moi, je lève la main et la prof, ne me voyant pas, euh, j'ai l'impression, je vois vraiment qu'elle est figée. C'est comme si le temps était arrêté. Mmh. Voyant qu'elle ne me répond pas et que je vais faire dans mon pantalon, ben, forcément, je me lève et je vais aux toilettes. Je vais aux toilettes et euh, dans les toilettes, il y a un minuteur que tu tournes pour avoir un peu d'électricité. Et puis, c'est une question d'économie d'énergie hein, à ce moment-là, à ouais. cette époque-là, il, il y a des années. Donc, euh, je fais pipi et au moment où je fais pipi, euh, j'ai de nouveau un étourdissement, tu sais, comme, euh, comme on l'a dit tantôt quand on se relevait. Et euh, la lumière s'éteint. Alors, évidemment, tu t imagines tu es quand même mal pris, tu es en train d'être aux toilettes et puis la lumière s'éteint. Bon. Donc je cherche le bouton et je le trouve et je rallume. Donc déjà c'est pas un bouton euh, qui se tourne, c'est pas un minuteur, mais c'est un bouton euh, qui s'allume. Et je me retrouve dans les toilettes. Alors, évidemment, la lumière se rallume. Je suis dans les toilettes. Sauf que je ne suis pas dans les mêmes toilettes. Je suis dans les toilettes de chez mes parents, à plusieurs kilomètres d'ici, dans les toilettes de l'appartement au septième étage. Tu t'imagines où je suis au Septième ou au neuvième Tu vois je, je comprends parce que en fait j'habitais au neuvième. Puis avant, j'habitais au septième chez mes parents. On avait deux immeubles ju juxtaposés. Donc, des fois, je dis septième ou neuvième ou neuvième ou septième. faudrait que c'était ou le septième ou le neuvième. Je ne sais plus, mais c'était un immeuble à très haut étage. J'étais jeune, donc. Et là, bah, forcément, euh, bah, je manque euh, à l'appel puisque mes affaires sont le siège, mon cahier, mes papiers, tout. Tu vois, mon manteau. Et donc, euh, à un moment donné, on se rend compte que je ne suis plus là. Donc, euh, on appelle chez moi, mes parents décrochent. Mes parents le savaient, puisque mes parents sont rentrés du travail. Mon père a débarré la porte, le système d'alarme, et il m'a vu. Donc, j'ai pas pu rentrer, puisque je n'avais pas mes clés. Et je, je, la, la porte était barrée autrement. Donc, mon père a les clés, etc. J avais, j avais, le double était dans mon manteau à l'école, sur ma chaise. Donc, j'explique ça à mes parents, mes parents, évidemment, que je salue encore qui sont des parents en or et qui m'ont toujours épaulé, appuyé et euh, qui ont toujours été euh, là pour moi et ils le sont toujours puisqu'ils sont toujours vivants. Et puis, euh, mon père, et... ils, ont dû, ils ont dû mentir au directeur, tu vois, pour dire non, oh non, il ne se sentait pas bien, on est venu le chercher et tout. Ce n'était pas vrai, bien évidemment. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dû aller aux toilettes avec le gardien, cirurier euh, qui a ouvert les toilettes euh, qui étaient dans le, dans le bâtiment. On était au deuxième étage. Pas de fenêtre, hein, c'est un mur comme ça. Il n'y a pas de fenêtre et c'était fermé de l'intérieur. Il oui. y avait personne dedans. Donc là, tu te dis comment Et puis c'est pas un petit loquet qui se tourne. Hein, c'était vraiment un truc que tu mettais. Il euh, faut vraiment y aller. Euh, tu peux pas barrer ça comme ça. Ça, c'était la première fois que ça m'est arrivé. Donc là, c'était vraiment physique. Hein, on s'entend que c'est pas. Euh, j'ai pas imaginé que me téléporter ou je suis pas somnambule. Donc là, j'ai vraiment été téléporté. Ah, ben oui, mes parents, ils pourront encore en parler maintenant. Et puis. Euh, puis le personnel de on... l'école, enfin, je veux dire. Ah, ben, 20, ben oui, 20 ben, 20 ben, jours, ben, hein. ben oui, ben oui, ben oui, exactement. Donc, et la deuxième fois, mm -hmm. là, j'étais plus âgé, j'avais à peu près, euh, je te dirais, 18 ans, à peu près, ouais, c'était 18-19. Et euh, je sortais avec ma, ma petite amie, et puis à un moment donné, j'étais dans ma chambre, en chaussons on était en plein mois de février, et je regardais une photo d'elle, et je me disais, oh là là, j'aimerais ça être à côté d'elle. Et au même moment où je dis ça, dans cet œil-là, ou celui-là, peu importe, je ne sais plus, je vois une photo, pas une photo, l'image de son appartement et l'image de ma chambre, les deux. Et d'un coup, les deux se juxtaposent. J'ai de nouveau les un étourdissement. Ah non. Je sens des aiguilles, ex voilà. exactement, aussi, avec l'étourdissement. Voilà. Et au moment où je commence à revenir à moi, mais ça dure une fraction de seconde, hein, je suis sur son paillasson devant la porte d'entrée en chaussons avec un, un maillot de corps, un petit débardeur. Euh, je suis à peu près à 15 km de chez moi. Là, mes chaussures sont à côté de mon lit, mon manteau, ma carte d'autobus, mes clés posées, tout, la totale. Mon père rentre, donc déjà, ma, ma copine rentre, je lui explique, donc là, elle est traumatisée, euh, je ne te dis même pas. Euh, et puis, euh, j'appelle mon père, je lui dis, papa... Il vient de se passer encore une chose, il dit, qu'est-ce qu'il y a, fils Je lui dis, ben écoute, euh, je me suis téléporté. Il dit OK, j'arrive. Alors mon père, il dit, il était avec le téléphone. À l'époque, c'était les téléphones, tu sais, avec l'antenne. Là, il dit, euh, je suis dans ta chambre, il dit Il dit, mais euh, tes affaires sont là. Mais bah, je dis ce que je viens de te dire. Mais tes chaussures sont là, ton manteau est là, mais comment tu as fait Mais bah, je dis, viens de te dire, je me suis téléporté. Il dit, Oh là là, OK, d'accord, j'arrive. Et quand mon père était rentré du travail, de nouveau, la porte était barrée de l'intérieur. Et puis, lui, il a vérifié. Toutes mes affaires étaient sur mon lit. Donc, j'ai vraiment… Et on était à un étage élevé en plein Paris. Donc, tu, tu peux imaginer que là, il y avait des témoins. Là, on est... il est allé me chercher. Bien évidemment, quelques semaines plus tard, ça serait fini tragiquement avec ma copine. On s'est séparés parce que ben, je pense qu'elle avait peur. Et puis, en même temps, on sait que la peur condamne. Alors… Euh... Ça, ça, ça a été la deuxième fois, et là, c'était encore avec, avec euh, des témoins. Mon père, ma mère étaient là aussi. Donc, euh, c'est des choses qui ne bah, qu s'expliquent pas. Si, elles s'expliquent. Mais en même temps, euh, ce sont des cas concrets, tu vois, de téléportation réelle et physique. Tes parents ont été assez supportifs. Enfin, tu parles, tu parles régulièrement de ta maman. Oui, euh... oui, 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 oui. C'est une femme, je pense, incroyable parce qu'elle elle t'a ouais. bien supportée pour euh, pas mal ben, de choses. Écoute, euh, ils n'ont ils ont, bah, pas eu le choix dans un sens. <laughs> euh, ils ont bien vu qu'il y avait quelque chose de bizarre. Quand j'ai disparu sur cette plage, ils n'en ont parlé à personne parce que dans ma famille, euh, ils étaient très euh, cartésiens et euh, ils ne croyaient pas à grand-chose. Et euh, je te dirais même que euh, à l'époque, euh, un membre de ma famille a fait comprendre à ma mère que je devrais être euh, psychanalysé et peut-être même être mis dans un institut. Hein Euh... Et tu t'imagines qu'il s'était planté sur toute la ligne quand on voit maintenant tous les gens qui révèlent des choses identiques à moi qui, qui leur est arrivé. Il y aurait beaucoup de gens dans les instituts psychiatriques. Euh, mes parents ont été témoins de beaucoup de choses, les lumières, la télékinésie, euh, ma téléportation, ma disparition. Euh, -dire quand quelqu'un leur dit « mais vous êtes sûr que… Bah, »« Écoutez, déjà, un, c'est mon fils. Deuxièmement, je n'ai aucun intérêt à mentir. Et troisièmement, vous imaginez la peine pour une... des parents d'avoir un enfant unique de 4 ans qui disparaît sur une plage bondée de monde et vous avez peur qu'il soit tombé dans l'eau, etc. Euh, la sensation que vous avez de le chercher, non pas cinq minutes et dix minutes, de le chercher avec du monde pendant une heure, et que votre enfant réapparaît devant vous. Il n'y a pas de trace de sable dans rien. Il n'a pas marché. Il est arrivé au même endroit. Je sais pas je ne l'ai pas vu, euh, il n'était pas dans mon champ de vision. Il n'était pas là. Et pour les lumières qui, dans le supermarché, quand j'étais jeune, euh, je ne savais pas compter voilà, celles là oui, ça... Ben, la première fois j'étais dans le supermarché avec ma mère, on allait euh, faire des commissions, et puis d'un seul coup, euh, j'avais un petit coup euh, de, de bar, j'étais fatigué, j'avais une descente d'énergie. Et, et moi, pour moi, c'était naturel. Donc euh, je disais, oh, je suis fatigué, ma mère elle me dit bah, T'as qu'à dormir euh, bon, ouais, mais je, on, est de, on est dans le magasin, je ne peux pas faire quoi que ce soit. Et là, ce que je fais, c'est que je serre mes petits poings et puis je ferme les yeux comme ça, et d'un coup, shut down. Toutes les lumières du, du supermarché complet ferment. Pouf, comme ça. Ok. Ma mère, elle se retourne puis elle me dit Jean-Charles, c'est toi? Puis moi tout de suite. C'est ça. J'adore ta mère pour faire pour dire ça Jean-Charles. Oui, oui. Je c'est toi, mon chéri. J'ai dit oui, maman, c'est moi. A dit <laughs> voilà. euh, Ral, rallume, s'il te plaît. Alors là, je rallume. Mais quand je l'ai rallumé, on était on était au rayon des, des boîtes de conserve. Il y avait un espèce de, de de poteau. Là, il y avait un gars qui était là avec une boîte de petits pois. On l'avait pas vu nous. Parce que quand je me suis concentré, j'étais de profil, donc je n'ai pas vu qu'il y avait un gars là. Et le gars, il est tout entendu, lui. Dans... On est dans le noir, mais il a tout entendu. Il m'entend parler avec ma mère. Donc quand la lumière se rallume, il est là avec sa boîte de petit pop, il est comme ça. Donc là, il se dit, c'est quoi Il y a quelque chose. Et là, il entend ma mère dire, rallume tout de suite, donc je rallume. Là, ma mère elle voit ça, donc on dit, OK, on s'en va à la caisse, on va payer. On s'en va à la caisse. Et puis, arrive à la caisse, il y a. Caisse 1, 2, 3, puis il y a des lumières, tu sais, que ça s'allume, caisse 1, caisse 2, caisse 3, tout, ça s'allume, tu y vas, tu vois Et puis là, ben, moi, je regarde la caisse, puis là, j'arrête pas de faire ça, comme ça, puis à 7 elle s'allume, à 7 un elle s'allume. Ça, ça m'amuse, moi, tu vois, je suis, je suis gamin. Pour moi, c je suis innocent. Ma mère, elle me dit, arrête. J'adore. <laughs> arrête de faire ça. Et là, le même gars est à côté, dans la ligne d'à côté, comme ça. Et là, ma mère a dit Ok, on s'en va, ça Mais il y a plein de trucs comme ça qui sont passés où mes parents ont dit Quand ça se passait, j'entends encore ma mère dire Oh là 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 mais qu'est-ce qu'on va dire Mon père, il dit On va rien dire du tout, on va nous prendre pour des fous. Elle dit Mais personne nous croirait. Et je lui Et pourtant, nous le vivons. Quand je rêvais la nuit que j'allais faire du ski ou que j'allais à la plage et que je me réveillais le matin bronzé avec la trace de mes lunettes et que ma mère, après qu'elle était habituée, elle me disait J'arrivais le matin, les cheveux tout collés, mes parents prenaient leur petit déjeuner et me regardaient comme ça avec un sourire. Bonjour mon chéri, t'as bien dormi Je dis oui maman. Elle me disait, t'étais où ce week-end Oh t'étais où ce week-end T'étais où cette nuit Je j'ai pourquoi M'a dit parce que t'as trace de tes lunettes. C'était devenu un running gag quasiment. Ils étaient là en train de dire ah oh, t'étais. Et puis dans mon lit il y avait du sable. Tu t'imagines Il y avait du sable blanc dedans, du sable blanc qui ressemblait au sable blanc des Caraïbes. Curieusement. Je suis allé aux Caraïbes 40 ans plus tard. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que j'ai fait des sauts, des machins, des sites de ça Oui, c'est parce j'ai commencé à réfléchir à plein de choses dans ma vie, puis je me suis rendu compte que finalement, il y a des choses que j'ai vécues quand j'étais jeune, que finalement, j'ai vécues plus tard. Et je veux dire, quand j'avais euh, 7-8 ans, je n'aurais jamais pensé que je viendrais au Canada, oui. que je vivrais, que, que je déménagerais et que je... Je vais, j'allais immigrer là-bas et que un jour je serai dans les Bahamas, tu vois Parce que je vais te dire un truc très bizarre. Un jour, je travaille dans un magasin et il y a un gars qui vient, un monsieur euh, antillais, je pense, je sais plus, enfin quelqu'un, un, un monsieur de couleur, très gentil, et il me dit euh, "Excusez-moi, euh, ça vous paraît cliché ce que je vais vous dire, mais euh, votre visage me dit quelque chose. Euh, bah ben, peut-être que je ressemble à quelqu'un. Non, 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 je vous connais, je vous connais." Je suis sûr que je vous connais. Moi, dans ma tête à moi, je savais où je l'avais vu, mais je n'ai pas voulu le dire parce que c'était complètement loufoque. J'avais rêvé la nuit que je faisais du bateau avec ce monsieur dans les Caraïbes, sur un bateau. Okay? Mais je n'allais pas lui dire Bah Oui, c'est vrai, j'ai rêvé de vous cette nuit, je ne le connais pas, c'est un client qui vient me voir. On a fait du bateau ensemble, youpi you, youpi ya, tu vois. J'ai rien dit. Et à ce moment-là, il n'y a pas mon badge avec mon nom dessus marqué. J'ai toujours mon badge de vendeur. Il n'est pas marqué là. Il n'y a rien. Donc, il y a aucun. Personne ne m'appelle par mon prénom. Rien. Le gars, je ne le connais pas, c'est un client lambda. Là, il commence à regarder les articles. Et il revient me voir, il me fait, ça y est, je me souviens. Jean-Charles. Je fais, ouais. Il dit, On a fait du bateau ensemble. Dans les Caraïbes. Là, j'en je te... ai des frissons encore, tu vois. Là, je suis là. Le gars s'en va, la caisse. Puis là, je suis complètement sous le choc devant mon, mon comptoir. Là, je dis deux secondes, remplace-moi, je, je, je m'en vais, il faut que je trouve le gars. Je cours dans l'allée, plus de gars. Stationnement, plus de gars. Disparu. 40 ans plus tard, je me retrouve à faire du bateau, non pas avec la même personne, mais dans les Caraïbes, avec ma femme, que je salue, ma chère et douce Mélanie. Donc, je me demande ce qui s'est passé parce que quelqu'un qui dit je te connais, ok. Quelqu'un qui connaît ton nom, mais quelqu'un qui vient te dire, qui t'a vu faire du bateau et que toi, c'est la nuit, tu avais, avais rêvé ça. Parce que moi, je faisais souvent des rêves qui étaient très réalistes, très. Euh, la sensation était là, puis je me rêvais avec des stigmates. Quoi. Je veux dire, euh, du, du sable dans mon lit, ce n'est plus un stigmate. Trace euh, de lunettes de soleil alors que j'habite au. Au neuvième étage d'un immeuble en plein Paris, il euh, n'y a pas de carré de sable à côté de moi et je ne mets pas du sable blanc dans, mon fond, dans le fond de mon lit. Euh, C'est quand même assez stupéfiant, quoi, je veux dire. Il faut qu'on m'explique. Il n'y a, a pas d'explication. Donc là, ça serait de la téléportation physique. Voilà, ça. Et je me réveillais avec le bas de mon pyjama mouillé. Hum. Alors, je rassure les gens, je ne fais pas pipi dans mon lit à ce moment-là et surtout pas juste sur le bas de mon pantalon. Comme quand tu vas à la pêche au moule, tu sais, ouais. tu as le bas du pantalon qui est, qui est mouillé, là. Mmh. Eh ben, j'avais le bas de mon pantalon qui était mouillé. Tu vois? Et, pas, et je ne transpirais pas, hein. je n'avais pas des, des sueurs nocturnes. Et je pensais à tout ça, ce que ce que pour, des gens pourraient dire. c'est pas ça, juste aux chevilles. Hein. On voit bien que j'avais trempé mes pieds dans l'eau, c'est ça que je veux te dire. Bah, je, le sable dans le lit, enfin, c'est ça. Ah ben bah, non, non non. Euh, ça, ah, non, non. Le sable non, dans le lit, ça, a... c'est fou. Vois, Puis la trace des lettres de ski, tu vois, bah, de même. Bah, c'était vraiment très, très marqué. Hein. Ce n'est pas un problème de circulation sanguine. Hein. Tu vois que j'ai dormi avec des, des grosses lunettes au clé, tu sais, les machins même, les ah ouais. lunettes de ski. Quoi. Et donc, c'était devenu quelque chose de tout à fait normal où tu cette nuit, etc., etc. Et puis, un jour, il s'est passé quelque chose. Mon père m'a dit, « Puisque tu as l'air de te promener à droite à gauche comme ça, tu devrais aller plus loin. » Moi, dans ma tête à moi, c'est rentré là-dedans. Là. Puis, je me suis dit, oh, « ouais, tiens. » Et là, un peu comme derrière là, tu vois, ouais. je me suis réveillé sur une autre planète, en train de marcher avec des cristaux géants qui dépassaient des arbres, du sol. Il y avait des créatures qui me parlaient, des hommes chats, des hommes chiens, des hybrides de toutes races qui me disaient bonjour. J'étais là, quel drôle de rêve. Et puis euh, il y avait de l'eau, puis il y avait des cristaux dans l'eau, puis je prenais de l'eau, je la buvais, puis oh, j'étais vraiment dans un toi, je t'en parle, j'ai encore plein, plein, de, plein de frissons. Et puis, je me suis réveillé en, en disant à mes parents j'irai sur une autre planète. Puis, j'étais sur la planète Antares. Et il y avait des choses magnifiques partout, etc. etc. Et moi, dans ma tête, je me suis dit ça a l'air d'être plus qu'un rêve. C'est très étrange, hein. cette sensation de, de toucher, de goûter, de, de vent. Ok, c'est un voyage astral, mais là, c'est chaud, là. Bon. Ouais, Et là, je me dis. Tiens, si je prenais mon petit sac à dos avec une petite bouteille de, de plastique euh, transparente, vide, puis euh, si jamais je me réveille là-bas, bah, je verrais si je mettrais de l'eau dedans, puis, tu sais, mais vraiment un délire d'enfant, tu vois. Et je m'endors avec mon sac à dos et je me réveille sur la planète mais conscient que je suis de nouveau dessus je dis, ah ça a marché donc déjà tu vois je contrôle mon rêve c'est pas normal ça déjà tu vois tu te dis tiens je suis ouais. dans mon rêve là ah oh, oui mais c'est ouais ok mais je suis en pyjama exactement habillé comme quand je me suis endormi je me dis tiens deuxième chose bizarre et j'ai mon sac à dos ouais. dans mon rêve donc, je me prends avec mon sac à dos, bonjour, bonjour, je revois les mêmes personnages, les mêmes créatures, etc. Là, je, je me rappelle que je marche dans l'eau, ils il, il ramasse des cristaux qu'ils mettent dans des paniers, il y en a même qui mange. mangent, oh, c'est comestible, ok, d'accord, vraiment, il des trucs un peu bizarres. <laughs> et là, je vois euh, l'eau, elle est comme rougeoyante, puis il y a plein de cristaux au fond, verdâtres et tout. Je prends ma petite bouteille, je l'ouvre, je rentre ça dans l'eau, je ramasse le fond avec des cristaux je ferme ça, je suis tout content, je mets ça dans mon sac à dos. Tout, 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 je me promène, je parle avec des gens, etc. Et à un moment donné, bah, je me réveille dans mon lit. Et puis là, bah, là, je regarde, pas de sac à dos, bien évidemment. Il n'est pas dans mon lit, il n'y a rien du tout. Tu vois. Donc je me dis, bon, j'ai encore rêvé, mais alors cette fois-ci, là, oh, c'est quelque chose. Là, j'ai passé un autre step. Là, je me suis dit, merde, j'ai vraiment... Euh... Là, je me lève, je mets mes pieds par terre pour mettre mes chaussons, il y a mon sac à dos qui est par terre. Ben là, je l'avais mis là avant de me coucher, tu sais. Je prends mon sac, j'entends floc, floc. J'ouvre mon sac, la bouteille remplie d'eau de, rouge avec les cristaux au fond. Je remets ça dans mon sac à dos. Je vais voir mes parents. Je leur dis, devinez quoi Bon, tu étais où encore cette nuit? Ils me font ça comme ça. Dis, j'étais sur la planète, machin, nanana, nanana. Ben Là, c'est. Là, c'est... C'est un peu plus euh, violent, tu vois, comme truc. Euh, ouais. Donc là, les parents me disaient Ah, oui, ok, d'accord. Ouais. Et là, j'étais là, tu sais. Là, euh. Puis là, puis ma mère, elle me dit Oui, puis oui, mon chéri, oui, oui d'accord, ok. Euh, et puis, euh, je suppose que tu as ramené la bouteille. J'ai fais, Oui, je prends la bouteille, je la pose, boum, mes parents sont là. Tu m'étonnes. Et là, ma mère est en train de faire un, un gâteau dans le four. Et euh, elle ne fait pas attention, probablement qu'elle est un petit peu marquée par ce que j'en ai raconté. Elle met sa main et elle se brûle sur un élément. Comme ça. Puis là, mais vraiment, vraiment fort. Mon père, pas une, pas deux, hyper rapide comme d'habitude, il prend la bouteille, il prend un coton, il dit, tiens, mets ça dessus. Ma mère dit, mais bon, on ne sait même pas ce que c'est, d'où ça vient, etc. Et tout, t'es fou, t'es marteau. <laughs> <Fait que> là, <laughs> ma mère elle prend, elle prend le coton, ça sent la fleur d'oranger dans la bouteille, c'est vraiment très bizarre. Et d'un seul coup, ma mère dit Oh, bah, c'est drôle ça, ça se calme la douleur. Elle vient de se brûler, mais je te, je te le dis, euh, je dis Ça va cloquer, c'est sûr. Ça n'a pas cloqué, ça a cicatrisé et, et elle n'avait plus rien. Mon père, super content, il dit Oui, c'est super et tout. Là, il dit "Oh, Il n'y a pas assez d'eau dedans il faudrait en mettre d'autres. Il met de l'eau du robinet dedans. Qu'est-ce que ça a fait bah, L'eau, elle a tourné, elle est devenue noire. Tu vois et là, après, on a récupéré les cristaux qui étaient dedans, on les a mis dans une petite boîte, on les a posés dans la chambre, et une nuit, la boîte a disparu. Voilà. Ils sont venus la récupérer. Bah ouais. Parce que c'était trop important. C'est pour, mais... proté... pour te protéger aussi. Hein, oui, parce que... mais, mais, mais j'imagine ce que les gens, lorsqu'ils vont écouter cette vidéo, vont se dire. Mais c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Non, il y a des Alors, témoins, il y a tes parents. Mais là, je dis une chose à, à ces gens-là que je comprends tout à fait. Oui. Comment tu veux ramener des choses physiques avec des tes parents qui sont témoins, tes amis, euh, des enfants, des collègues de travail, euh, des choses comme ça Ça n'est pas possible. -à à un moment de... et puis la téléportation. Rien la téléportation, tu vois, tu, tu peux pas te déplacer comme ça. Donc, ça fait partie des choses extraordinaires, mais qui font partie de ma vie et ils font partie de la vie de mes parents depuis que je suis tout petit. Et tout de suite, ils ont eu confiance en moi, parce qu'ils ont été témoins aussi. C'est ça qu'il faut voir, si tu dis ben des voilà, fois, puis, bon... ton enfant, a, 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 admettons, beaucoup d'enfants ont des amis imaginaires. Oui. Okay mmh. bon. Donc, on peut s'imaginer que lorsque j'ai dit, il y a un extraterrestre qui est venu dans ma chambre, il s'appelle Victor, oui, d'accord, et moi, je suis la reine d'Angleterre. Tu sais. voilà. Jusqu'au jour Sauf où ta que... mère a vu Victor. Oui, elle était dans la maison toute seule. Mon père était au travail, j'étais à l'école et puis elle avait pris une journée de congé. Elle était en train de ranger des petits magazines dans une espèce de, de petite porte qui était une pendule bretonne. Et tu as les gros balanciers comme ça euh, qui sont comme euh, tout euh, brillants, couleur cuivre. Et euh, c'est une, une, une armoire, une, une arme, j'allais dire, une, une horloge bretonne de famille voilà. à, balancier, à, balancier, à, balancier, à balancier qui était dans ma famille depuis longtemps. Ouais. Donc. Euh, elle est là comme ça en train de, de, de fouiller. Elle, elle est à quatre pattes. Et puis d'un seul coup, euh, elle sent, comme c'est arrivé souvent à beaucoup de gens, une présence derrière elle. Fait que là, euh, elle se retourne brusquement. Tu sais, quand tu sens quelqu'un là, mais c'est pas moi ni, ni mon père, on n'est pas là. Mmh. Donc là, elle se dit euh, Merde, il y a quelqu'un, oh, je dois être folle, je, je m'imagine des choses. Avec tout ce qui se passe dans notre vie, c'est sûr qu'à un moment donné, ton, ton cerveau, il, il, a un petit peu, il a un petit peu effrayé tu vois, sur certaines choses. Bon. Et puis d'un coup, elle se dit, oh, c'est peut-être Victor, parce que je lui avais parlé. Puis là, elle dit, Victor, c'est toi. Puis je vais me retourner là. Je, 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 je vais me retourner là, me fait pas peur, parce que ma mère, ça avait à quoi elle ressemblait, tu vois, je lui avais dit, toi. Et puis, euh, elle se retourne, toujours personne. Elle dit, à chaque fois que je me retourne, il n'y a personne. Mais là, elle décide, au lieu de se retourner, de faire comme si elle était en train de regarder par terre et de faire juste comme ça de lever les yeux et dans le reflet du balancier elle voit sa découpe penchée au-dessus d'elle en train de regarder ce qu'elle regarde t'imagines le... et, et voilà et, et donc euh, elle s'est retournée puis il n'était plus là mais c'est une, une parenthèse euh, très importante parce que euh, Bon, on n'est plus dans le justifier ou prouver quoi que ce soit. Là. On n'est plus là-dedans. Euh, comme j'ai dit aux gens, je ne ça. suis pas là pour vous prouver quoi que ce soit. Je, suis, je suis là juste pour vous raconter ah. ce que j'ai vécu dans ma vie. Et euh, j'ai des tonnes de gens qui ont été témoins de ça. La plupart n'ont pas voulu, pour l'instant, parler parce qu'ils ne veulent pas... Ce n'est pas le moment, puis en même temps, euh, s'exposer à visage découvert comme on fait moi, euh, David, euh, toi, euh, Michael, et puis Tony, etc. Ça prend quand même un grand courage. Je veux dire Les gens, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, euh, vas-y, euh, parles-en ouvertement, euh, tu ne te caches pas derrière un ordinateur avec ta voix déformée, puis ton visage mosaïqué. On est voilà, carrément est en train ça. de parler de ça. Voilà. On a le courage de le dire et on n'a aucun intérêt à raconter des conneries parce que déjà, un... Hein, tu ta notoriété, ton image, euh, puis as le jugement des autres, etc. Mais là, je suis arrivé à un stade au-dessus. Je n'en ai plus rien à, à faire parce que je me dis si je ne parle pas maintenant, je parlerai jamais. Et j'estime que c'est important que les gens se rendent compte qu'il existe des choses étranges qui se passent tous les jours. Et je ne suis pas le seul parce que depuis que je parle, il y a des gens qui m'écrivent en, en, en privé. Et je te jure, Elena, qu'il y a des trucs insensés. Les gens disent Vous allez me trouver folle. Dis, non, 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 vous avez écouté mes capsules Non, bah écoutez-les. Alors elle les écoute et font OK, d'accord, je peux vous parler. Donc, tu vois, donc les gens, ils ont besoin d'avoir une, une structure et, et, et quelqu'un qui va les écouter. Et, et je ne suis pas le seul qui vit ça, je te le dis, il y a des gens qui vivent des trucs de dédoublement, qui sont à deux exemplaires en même temps, comme ça m'est arrivé plusieurs fois, où j'avais des témoins physiques qui m'ont vu, qui m'ont serré la main alors que j'étais à un repas de famille avec mes parents. Et je pas là du tout. Et, et ce n'était pas euh, 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 un effet ectoplasmique ou quelqu'un qui m'a vu, vu. Il y a eu une interaction physique. Il m'a serré la main, il m'a pris dans ses bras, il m'a parlé. Et, euh, et moi, quand il m'a dit ça, j'ai eu comme une sorte de vague souvenir de ah, Oui, ça me dit de quoi Sans être sûr, mais comme s'il y avait une espèce de, de petit lien connecté avec cette espèce de, de, de dimension. De, je ne pourrais pas t'expliquer, mais j'avais un souvenir vague que j'avais été là mais alors j'étais pas là ça s'est ça c'est coulé dans le béton je n'étais pas là ça c'est sûr Alors tu as passé 20 ans 20 ans c'est ça dans le, le, oui. le tu as fait le 20 and back comme on dit en oui. anglais 20 mm -hmm. ans et retour je sais pas comment dire en français ouais, ouais. Euh, donc ça s'est passé au moment où tu as disparu sur la plage non. non, quand j'ai disparu pas. sur la plage, ça c'était mon abduction euh, de Avec base, <laughs> c'est comme le, le prérequis, <laughs> c'est comme un prérequis, tu sais. <laughs> non genre, ça ça n'a rien à voir, j'ai été euh, de, abducté pour, pour différentes choses, mais là je ne voudrais pas mélanger toutes les, toutes les personnes, j'étais abducté, voilà on va parler des choses, bon. J'ai été abducté, ça c'est une certitude. Ensuite, j'ai développé des facultés extrasensorielles très développées, comme ce que je viens de citer. Oui. Et à partir de là, lorsque j'ai été adolescent, à l'âge de 13 ans, j'ai eu mon insolation. Tantôt, j'ai parlé de ça, et qu'ensuite j'avais été recruté, et voilà. puis que je me suis réveillé dans l'autobus. Vous vous souvenez de cet épisode Voilà. <laughs> eh bien, nous revenons à ça. Je rentre donc dans l'autobus et je me retrouve dans le camp de vacances avec mes autres amis, etc. Donc, ils sont contents de me voir parce qu'ils ont vu que j'avais été euh, hospitalisé d'urgence parce que j'avais une insolation. Donc là, j'avais disparu plusieurs jours à l'hôpital. Donc là, tout de suite, je revois mes potes. Donc, il euh, hey, faut que je vous raconte. Moi, hyper, euh, zéro filtre, hein, tu vois. <laughs> moi, je parle à mes potes en me disant, j'ai vu ça, j'ai vraiment vu ça. Puis là, il s'est passé ça. Puis, euh, puis là, il y avait un gars qui me parlait bizarre en allemand, etc. Là... Ils me regardent et puis ils me disent euh, c'est quoi ces conneries etc. Et là je me fais vraiment euh, railler tu vois genre euh, je me fais on se moque de moi on me dit que j'ai un problème mental et que ça va pas etc. Et là j'ai vraiment 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 beaucoup de peine vraiment. Ouais, ouais. Et là bah, là j'attends que tout le monde dorme et puis là euh, bah, je, je pète un câble quoi je, ouais, je pars par la porte de là, la fenêtre euh, du chalet. Je m'en vais et je m'en vais dans un champ au milieu, puis je dis euh, Je ne veux plus vivre ici, venez me chercher, j'en peux plus. Et je m'assois dans le champ. Et je regarde comme ça en l'air, puis j'attends. J'attends quoi J'en ai aucune idée. Je suis déprimé, comme ça ne se peut pas, parce que je sais ce que j'ai vécu. J'ai des souvenirs, je, je sais qu'il s'est passé quelque chose, la tâche dans mon cerveau, etc. Je sais tout ça. Mmh. Et là, je vois une étoile qui se déplace, et l'étoile se rapproche, et c'est un disque. Et je suis absorbé par une lumière, de nouveau. Et là, je me retrouve dans un vaisseau. Il y a Victor qui est là. Et, voilà. et il y a d'autres extraterrestres qui me disent bonjour, ça va bien, bonjour. <laughs> T'imagines, c'est quand même assez spécial. Salut, ça va okay. Et là, il y a, dans le couloir, dans l'autre sens, arrive une femme blonde avec des grands yeux bleus qui, ça, qui arrive vers moi et me dit bonjour. Je m'appelle Maria, mais tout le monde m'appelle Marie. Ok, suis-moi. Je la suis dans le couloir. Victor est à côté. On arrive dans une espèce de, de, de grand couloir, puis il y a une salle à côté. Elle me dit, viens ici. On rentre dans la salle. C'est une salle de classe. Et dans cette salle de classe, il y a plein d'enfants. Ce qui est important, c'est que quand je suis arrivé en haut dans le vaisseau et que Victor était là, il m'a dit, la première chose qu'il m'a dit, bienvenue dans le Solaris. Et là, je, suis Donc, je repasse. J'arrive dans la, dans la salle de classe. Je rentre dans la salle de classe. Et là je me retrouve avec plein d'enfants extraterrestres avec des têtes très bizarroïdes. Il y en a qui ont des têtes humanoïdes avec une couleur de peau différente, mais il y en a qui ont vraiment des têtes comme iguaneux, tu vois, genre, Je ne sais pas si ça se dit iguaneux. Et puis, euh, ils sont tous là, super euh, gentils, puis ils parlent par télépathie. J'entends parler dans ma tête, tu vois, c'est vraiment... Un... Ils parlent tous en même temps, tu vois. Donc là, je suis là, ça résonne comme si quelqu'un parlait comme ça dans un tube. Puis là... Elle me dit, euh, tu remarqueras qu'il y a des enfants extraterrestres, à part un, à part un avec toi, vous êtes deux, 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 extra, deux êtres de la Terre. Et là, je vois David. Voilà, David Rousseau. Et là, je m'assois à côté de lui. Et David est à côté de moi, on se regarde. Et puis, euh, on est comme... Euh, c'est très spécial à chaque fois que j'en parle parce que c'est assez... Euh... Bon. <laughs> oui mais tout le temps, oh, bon, j'ai toujours, toujours dit ça, 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 me, ça me bouleverse parce que comment tu peux avoir les mêmes souvenirs alors que je ne connaissais pas cette personne voilà, et euh, ça est Il est écrit. a écrit un livre, j'ai fait un film et, et, et lorsqu'on s'est connecté euh, grâce à, à une amie en commun, euh, Janie Charuro, qui est la directrice de Mufon France, que je salue, euh, si elle avait pas fait ce lien entre nous, on se serait probablement jamais rencontré. Donc, euh, elle était là au bon moment, tu vois. Ah, tu devrais appeler euh, ce gars-là, il s'appelle Jean-Charles, il a vécu un truc. Ah oui, comment ça Moi, je connais même pas David Rousseau, je ne sais pas c'est qui. Lui, c'est sait même pas qui je suis non plus. Et là, en parlant, bah, on se rend compte qu'on a vécu les mêmes choses, mais sauf que lui, son livre est sous presse et moi, mon film est sorti. Voilà. Donc, donc tu imagines que là, quand on voilà. a comparé nos trucs, c'était. Euh... C'est complètement, comme disait Michael, c'est jamais vu parce que vivre des choses différentes, tout le monde. Mais vivre la même chose dans le même vaisseau, même nom, même Maria, mêmes enfants, même mission, même euh, blessure. J'ai été blessé pendant, un, pendant euh, un sauvetage quand on est allé récupérer des gens sur, sur Mars et que j'ai été mis dans un medbed. J'ai été j'ai été blessé grièvement sur le côté par un draco avec sa queue. Euh, enfin bref, tout ça, je m'en souvenais et il s'en souvenait. Si Alors, même moi, sans aucune prétention, qui est au courant de plein de choses, hein, je suis au courant de tout, bien sûr, hein, mais ça me bouleverse à chaque fois parce que je me dis, oh c'est stupéfiant, stupéfiant. Alors, on dit que les paroles s'envolent, les écrits restent. Ben, là, les écrits sont là. Il en a fait un livre, il a écrit tout ça, et moi j'en ai fait un film et, et, euh, et j'en parle dedans, Révélation Starseed, dans lequel je, je parle de ce qui s'est passé. Durant mon adolescence et mon enfance. Et euh, la chose importante que je voulais dire aussi, parce que je pense à. J'ai déjà fait des entrevues, puis je pense aux questions que les gens ont posées avant. Oui. Et donc là, je repense à ça, puis je me dis tiens, je vais donner ça comme réponse, parce qu'on va peut-être me le poser. Oui. Alors, je vais, je vais parler de la fameuse radiographie. Les gens ont dit dites-moi, euh, la radiographie, euh, on peut l'avoir quelque part Alors, ma réponse à la question, c'est que ma mère a reçu la facture à payer. Mais pas la radiographie. Alors elle a appelé en disant Excusez-moi, je n'ai pas reçu la radiographie de mon fils. Oh, on s'excuse, on l'a perdue. Pardon On l'a perdue. Ils avaient tout perdu. Tu entends Non. Voilà. Donc c'est la réponse à Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas la radio Alors, oh, ouais. Encore une fois, elle est perdue. Non, pas encore une fois. Donc c'est comme ça. C'est la ça, même chose ça, qui m'est arrivée mm -hmm. quand on m'a hospitalisé à l'âge de, de, de 30 ans pour m'enlever un. Une, une matrice euh, alien à l'intérieur mm -hmm. du ventre. Euh, alors, je n'ai jamais pu la voir, je n'ai jamais pu la mettre la, la, la main dessus. Alors, mm -hmm. l'anesthésiste le, le le, 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 me dit Oh non, ils l'ont brûlé. Et le, le chirurgien me dit Non, non, on l'a envoyé au laboratoire pour faire analyser. Alors, il y en a un qui ment, ou les deux, quoi. Tu vois Jamais tu vois les trucs. Ça part, je ne sais pas où. Ah, je... Donc, oui, mais non, oui. Tout, dès qu'il y a quelque chose comme ça, des preuves et tout, des fois, il y a souvent ce qu'on appelle aussi les, les hommes en noir qui viennent chercher un petit peu les, les preuves ou des gens qui font partie d'un gouvernement parallèle et qui viennent récupérer des choses qui sont trop parlantes. Parce que les gens disent toujours, ouais, c'est bizarre, euh, comme par hasard votre appareil photo ne marchait pas. Euh, non. Ou comme par hasard, c'est flou. Euh, ouais. Et quand c'est pas flou, on dit, hmm, c'est trop net pour être vrai. Voilà. Et quand c'est trop net pour être vrai... Ben, des gens sont venus me chercher les photos. Donc, à un moment donné, on veut bien donner des preuves aux gens, mais un, ça va servir à quoi Parce qu'à l'heure actuelle, en 2022, toute preuve peut être falsifiée. Oui. J'entends par là avec le nouveau logiciel qui s'appelle le Deepfake, qui est un logiciel qui permet de mettre le visage de quelqu'un sur un autre avec une, vraiment un réalisme incroyable et de le faire parler. Il y en a qui s'amusent à faire parler Obama, faire parler Trump, etc. Et je peux te dire que c'est très troublant. Là-dessus, mets un éclairage un peu biafra, puis vraiment qui est vraiment pas beau, et puis euh, mets un effet vieux film dessus, je te garantis que tu penses que c'est vrai. Donc, toutes les preuves sont falsifiables. C'est pour ça que je dis aux gens, je ne peux rien prouver, et même si je peux prouver, hein, admettons, que, admettons que dans un futur proche, je puisse prouver ce que je dis, ce qui est fort possible. Je m'attends tout de suite à bon bon bon. Il y a des preuves. Est-ce que ces preuves sont vraies Alors on les fait analyser par un, un laboratoire, admettons. Et là on va dire bon bon bon. Il doit connaître le gars du labo. Tu comprends C'est tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. Je pense que les preuves, euh, les, les, les preuves vraiment que l'on peut apporter, c'est pas oui. par rapport à des choses physiques parce que ça mmh. peut toujours être falsifié ou voilà. Mais c'est oh, par oui. rapport à, par exemple, ton histoire avec David, des témoignages qui se recoupent. Ah bah oui. Son livre était sous presse, ton film oui, oui. était publié, enfin, en, dans oui. le processus d'être publié. Oui. Tu n'avais pas lu le livre de David et il n'avait pas vu ton film. Non, ah. non. Et, et, là, et puis, il y, y a autre chose, autre chose super important. Lorsque je suis arrivé au Québec, enfin, en fait, il y a… Euh, lorsque j'avais 18 ans, euh, j'étais à Lille avec mes parents. Et la mère de mes enfants, on était dans une librairie qui s'appelait Le Furet du Nord. Tu vois, c'est vraiment précis. Et là, j'étais dans une allée et euh, je vois des petits bouquins blancs avec un triangle rouge. Je le prends. Et euh, c'était euh, La terre au mode des petits gris de William Milton Cooper et Opération Cheval de Troie. Le triangle rouge, tu m'en as parlé au début Oui, oui. Ouais, vas-y, bon. vas-y. Euh, oui, c'est ça. Euh, non, c'est un triangle noir qui est sur le truc. En tout cas, c'est un triangle sur la, sur, la, sur la jaquette. Un petit fascicule comme ça. J'arrive à la caisse, je dis à la caissière, bonjour, combien pour ces deux fascicules Et elle me répond, mais qu'est-ce que c'est que ça On a pas ça en rayon Et Je J'ai dit, bah, je les ai trouvés là. Elle dit, mais euh, ça s'appelle comment déjà Alors, elle regarde dans son listing, puis elle dit, bah, euh, je ne sais pas comment vous avez fait, mais bon, on n'a pas ces bouquins. Mmh. Dit, ok, d'accord. Bah, je vous l'ai fait à combien À l'époque, c'était en francs, fait, elle me fait ça à, genre à 5 balles, quoi. À 5 francs. Et je pars avec ça. Là-dedans, là je vois des trucs sur les petits gris, sur euh, plein de choses, sur euh, Richard Glenn qui euh, était un ami de, de Jimmy Gueux, etc., etc. Donc là, je lis ça et ça reste sur ma table de nuit. J'ai euh, 18-19 ans. Okay Retiens bien ça. 30 ans plus tard, je déménage au Canada, au Québec. Et dans mes cartons, je retrouve ces petits bouquins en me disant, ah, ça me rappelle des trucs. Je regarde les éditions en me disant, peut-être qu'ils ont fait d'autres livres dans le même genre, tu sais, les éditions, ouais. tu vois. Et quand j'ouvre, c'est le pays, la ville et le ouais. lieu où je suis en ce moment où j'habite. L'édition, c'est la ville où je suis en ce moment. Il n'y a aucune chance que tu aies un bouquin sur ta table de nuit qui parle de petits gris, d'extraterrestres, etc. Et que je me retrouve après dans la même ville et le même pays. Ce n'est pas possible. C'est ah, la oui. rue de derrière, les éditions. Mais ce n'est pas tout. Le gars, qui, pas l'auteur, mais celui qui a fait traduire en français le livre de Milton Cooper, qui mmh. s'appelle Richard Glenn, une chanson, je ne sais pas combien de millions d'endroits, je suis dans une boulangerie ici, au Mont-Saint-Hilaire. Où je suis, et il est devant moi en train de prendre une baguette de pain. Je regarde, je fais Richard, il se retourne, on se connaît Je dis Tes livres m'ont amené jusqu'à toi. C'est bouleversant. C'est incroyable. Enfin, Mais incroyable. ce qui est le plus bouleversant, c'est que ces deux petits livres se retrouvent mystérieusement dans les mains de David Rousseau oh. quand il est alarmé dans son casier fermé à clé, non. alors qu'il a la clé sur ses serviettes de bain. Non. Il ouvre, il fait, mais qu'est-ce que c'est que ça est Qui c'est qui, qui m'a mis ça dedans Il prend les livres, il les lit. Mais ces livres-là, il y a peu de temps, on a discuté avec David, il dit, mais tu te rends compte que tu as eu les mêmes livres que moi qui sont apparus, on ne sait pas comment. Moi, dans la librairie, toi, dans ton casier d'armée, mais que dedans, à la page de couverture, il y avait l'adresse de ton frérot que tu allais rencontrer 30 ans plus tard. Putain. Et ça, c'est du concret. Hein. J'ai les bouquins qui sont ici. Hein. J'ai tout. Hein. Alors, les gens vont oui. dire que c'est un hasard. Non, non, ce n'est pas voulu possible. Faire mais oui. ben, bien sûr. Non, parce que pas ces gens-là, ben, oui, gens je vous dirais. Et, oui. voilà, ils et alors, des... tu vois, moi, j'avais été avec, avec, euh, avec David dans les programmes spatiaux quand j'avais 13 ans. Après, je, je suis revenu dans ma vie ils m'ont fait régresser. J'ai fait ma vie d'adulte. Et à ma vie d'adulte, je suis allé dans les commandos parachutistes dans une base de l'armée de l'air que je ne nommerai pas, mmh. dans lequel j'ai eu un accident grave où je me suis déchiré tout l'épaule, le, le, le muscle brachial, etc. Et j'ai été évacué d'urgence. Mon, mon service militaire, c'est comme mis sur peau. J'ai été à l'hôpital militaire. Et c'est dans cet hôpital militaire qu'il m'est arrivé autre chose. Là, Alors... j'ai été de nouveau recruté en tant qu'adulte. C'était la suite en fait. Mais les bouquins étaient le lien. Parce que les bouquins, je les ai trouvés quand j'avais 18-19 ans. Tu comprends Ils Mais aller... j'avais vu déjà David à 13 ans, moi. Donc les bouquins étaient là pour nous donner un indice. Pour que tu le retrouves. Ils voulaient ah bah que oui. vous vous rencontriez pour que ben vos oui, deux ben témoignages oui. se corroborent. C'était un plan, mais oui. Alors... Je lui ai dit l'autre fois, tu m'as écrit, tu écrit, tu écrit euh, pour m'envoyer ton, ton deuxième bouquin parce qu'il m'a dédicacé son bouquin, le, le, le dernier. Puis il me dit c'est quoi ton adresse ben, je dit, je donne mon adresse, puis je lui dis Est-ce que tu as les petits bouquins euh... Il me dit Ouais, je me... Il ben, il dit Non, je les ai plus. Je ne les ai plus les petits bouquins, parce qu'ils ont disparu de son casier après. Il les a lus, puis ils ont disparu il ne les a jamais trouvés. Et là, je lui ai dit, ben, moi je les ai, je les ouvre et puis je lui montre comme ça. Il dit Je vois pas bien, je lui dis, Attends, je te rapproche. Il me dit Mais c'est quasiment ton adresse ben, Je dis oui. Mais comment ça ben je dis toi, tu avec quel âge quand t'étais à l'armée Il dit mais voyons, c est, c est, ça, fait, ça fait quasiment 30 ans de ça. Je t'avais un bouquin, mon gars, avec l'adresse et le pays dans lequel je suis maintenant. Comment t'expliques ça C'était pas pour nous dire, hey, mm -hmm. c'est un indice pour te donner. Tu sais, c'est évident. Alors ça, c'est des preuves, tu vois. Encore une mais fois, tu vois par incroyable. exemple. Mais c'est des trucs auxquels j'ai pas, j'ai pas forcément l'idée d'en parler. Mais là, tu vois, avec toi, j'ai dit tiens, on va repasser en revue des trucs puis on va donner d'autres détails auxquels j'avais pas pensé à dire avec Michael ou ou autre oui, tu vois donc ce qui m'intéresse c'est les petits détails en fait et je pense que les, oui, les auditeurs oui. aussi veulent les, les, les petits détails parce que c'est ça qui vraiment euh, mm. rend encore plus euh, la, la, la véracité la réalité tu mm -hmm. vois mm -hmm. euh, alors y a moi y a une question qui me taraude un petit peu mm -hmm. bon tu as été enlevée plusieurs fois dans différents programmes oui. euh, en fait voilà donc euh, moi, je pense qu'il est important de spécifier que la fois où tu étais enlevé, il y avait un gars qui parlait allemand. Bon, pour moi, oui. c'est mon oui. Dark Fleet, euh, tout ça. Ça n'a mm -hmm. rien à voir avec toi qui es bimé à bord du Solaris. Non. Voilà, j'aimerais que tu expliques cette différence, ces deux ben. choses différentes que les gens ne fassent pas l'amalgame. Non, 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 non. Tout... La fédération ne travaille pas avec les... Amalgues. Non, 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 non. non. Voilà. Euh, il y a des, des, euh, des instances différentes voilà. qui sont intéressées par les facultés des certains starcides voilà. et qui veulent mettre la patte dessus, hein, si on peut se dire ça. Et euh, ben, moi, j'ai été récupéré au moment où euh, j'ai été mis dans un programme qui était pour défendre, en fait, la, 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 la Terre, les, mm -hmm. des reptiliens. C'est-à-dire okay. qu'il y avait, un peu comme Star Trek, il y avait une, une flite, une, une sorte de Star... Qui, qui travaillait conjointement et, et ce qui est étrange, c'est que maintenant on commence à découvrir un peu avec la Space Force puis le Artemis euh, Accord euh, qui en fait euh, conjointement réunirait tous les pays euh, de la planète, enfin, certains pays de la planète pour pouvoir euh, avoir une espèce de, 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 de conglomérat interplanétaire. C'est exactement euh, ce dont je parle. Oui. Mais là, c'est en train de se concrétiser, tu comprends avec ce que fait euh, euh, Artemis, ce que fait euh, la Space Force, ce que fait euh, Solar Warden, etc. Donc, mais il y a des programmes, il y a plein de programmes spatiaux secrets qui ont été faits par différents pays. Voilà, okay voilà. et, et il y a eu des programmes noirs et il y a eu des programmes euh, plus clairs. Tu vois voilà, et à un moment donné, euh, c'est ouais, très important parce que les gens ont dit Oh l'autre, il est avec les nazis. Non, 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 non. Voilà, c'est très, très important. Et alors, alors, les gens qui pensent aussi, parce que là, je pense à tout ça, là, c je suis content d'avoir euh, la possibilité de m'exprimer là-dessus. Les gens qui pensent, oui, mais peut-être qu'ils pensent qu'il est bon puis que c'est les méchants qui lui ont implanté des, des pensées comme ah quoi il oui, était bon. Mais... Non, il pas du tout. Mon pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce que je fais du bien autour de moi, j'ai aidé des gens, j'ai sauvé des vies euh, sur différents plans. Euh, donc, si j'avais été négatif, un, je n'aurais pas fait ça. Euh, deux, j'aurais fait le mal et puis je, je me gosserais de ça et je ne serais pas euh, avec des gens qui font du bien autour de moi non, et je n'aurais pas, pas ces facultés. La... Ben non, pas du tout. Pas tu du serais tout. pas dans le Solaris qui est un vaisseau ben non. de la flotte Solar Warden qui travaille oui. avec l'Alliance la, Terrestre et Chapeau Blanc, et... etc., etc. Exactement. Voilà. Donc euh, tu as voilà le, le moment où tu es dans ton champ et tu dis euh, j'en ai marre. Euh, oui. Bim me up Scotty, bim me exact, up. Victor. Exactement. Ouais, <laughs> bim moi Victor, ouais, exactement. Et là. Ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de vivre à l'hôpital. C'est deux non. groupes différents. Je veux deux vraiment groupes différents. Oui, oui. Qu On éclaircit pour les auditeurs. Oh, hein. oui. Voilà. Alors là, tu te retrouves dans le Solaris. Oui. Là, c'est la, f... la... la fédération ou la confédération euh, selon qu'on l'appelle galactique extraterrestre. Oui. Euh, euh, Solar Warden, qui est euh, terrestre. Et voilà. Mm. Donc, euh, est-ce que tu peux expliquer plus précisément? Qui sont-ils, ces Solar Warden, la Confédération Le Solar Warden, à la base, c'est un, un, une flotte dans laquelle il y a, il y a plein de. C'est les protecteurs solaires, les protecteurs du, du système solaire, qui travaillent conjointement avec des extraterrestres pour sauvegarder euh, la paix dans l'univers, parce qu'il y a des accords qui ont été faits, et bien évidemment, euh, il y en a qui les ont pas bien acceptés et bien signés. C'est les reptiliens Draco. Attention, tous les reptiliens ne sont pas à mettre dans le même panier parce qu'ils ont dit ouais les reptiliens machin, c'est comme les humains, il y a des bons et des mauvais. Et les reptiliens, il y en a des super bons et il y a aussi des, des reptiliens qui n'étaient pas forcément bons, qui sont passés de l'autre côté parce qu'ils se sont rendus compte, ils ont une conscience quand même aussi, puis ils ont fait des hybridations, qu'ils ben, euh, en avaient marre de faire ça et puis qu'ils avaient envie de changer de camp et puis que, et tant mieux pour nous hein, parce que c'est bien d'avoir des gens un peu partout. Et, et le Solar Warden dans sa flotte avait un vaisseau qui était franco-américain. Comme je rappelle encore tantôt, la France et les États-Unis, notamment pendant la guerre euh, entre 1945, les États-Unis avaient des bases américaines un peu partout euh, pendant, la, pendant la guerre. Et quand ils nous ont, entre guillemets, sauvés et qui sont partis de nouveaux États-Unis, ils ont laissé les clés aux Français. Donc les bases qui étaient américaines sont pleines de souterrains plein de, 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 de choses etc à l'intérieur et ça c'est pas c'est pas compliqué hein, de dire tu fais des recherches tu peux tu peux voir que l'empreinte américaine a été partout donc ils ont fait des programmes spatiaux conjointement mais on parle souvent du Solar Warden et les gens pensent que le SSP donc la, 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 la Space Force la Space Force américaine uniquement américaine c'est pas vrai non, non, non. et dans une flotte il y a différentes euh, nations etc et en ce moment on est en train de le faire voilà. et le Solar Warden était euh, avec justement euh, plusieurs vaisseaux dont le Solar et il y en avait un autre dans lequel j'ai été qui s'appelait le Excelsior qui était un vaisseau qui était plus tactique mais dans lequel il y avait eu des villes au complet, dans des écosystèmes. Il y avait des cascades, il y avait il y avait des tonnes de choses. Il y avait un écosystème reproduit. C'était vraiment, euh, tu étais pas dépaysé, tu vois. Alors, euh, ouais, alors parle-moi un petit peu de l'intérieur de ce vaisseau, dans l'Excelsior, ok Oui. Euh, Est-ce que Excelsior et euh, Solaris ils se ressemblaient il y avait non, c'était plus un, un vaisseau de, de combat. Je te dirais, dans l'Excelsior, il y avait un petit peu de tout. Il y avait, bah, déjà, il y avait des choses pour se défendre parce que si on se faisait attaquer, fallait bien qu'on ait du répondant. Mais je te dirais que c'était quasiment une ville flottante. Tu vois vraiment comme une espèce de, de, de bulle avec euh, avec une ville à l'intérieur. Il y avait, euh, je te dis, des écosystèmes. Il y avait des, des différentes créatures. Il y avait différents départements avec des extraterrestres qui vivaient dans leurs environnements. Nous, on cohabitait. Il y, y avait des périmètres à respecter, parce que même s'il n'y a pas d'hostilité, ils avaient leurs trucs, on avait les, les nôtres, tu vois. On avait chacun nos, nos départements, il y avait des départements sportifs, des départements tactiques, des départements botaniques, des départements de recherche, il y avait des départements de jeux pour les enfants aussi. C'était vraiment comme si on vivait sur la Terre. Il y avait une cafétéria aussi. <laughs> C'est vrai, il y avait une cafétéria. Tu vois très bien de quoi je parle. Voilà, mais je vois très bien de, de, de quoi on parle. Attends, mais... Le fait que tu en, tu en reparles, okay. oui. Excelsior, ce, ce vaisseau était, faisait partie de la oui. flotte Solar oui. Warden ou c'était quelque chose d'intergalactique euh, ce, par... non. Enfin, non, inter... ce qui faisait partie du, du, du Solar Warden, c'était le Solaris. Le, Solaris. Okay. le ouais. Excelsior, c'était un autre bâtiment auquel voilà. j'ai été plusieurs fois me, me balader, mais toute ma formation a été faite en partie sur le Solaris avec David. Et, et moi, mes, ma formation que j'avais, elle était particulière parce que j'avais des capacités que d'autres n'avaient pas. Ce que Maria m'avait dit, elle m'avait dit, toi, tu vas être mis à part. J'ai dit, ah bon Pourquoi encore Qu'est-ce qui se passe Est-ce est est que le Excelsior pouvait être un vaisseau construit par des un, une un mothership, hein, un vaisseau même oui. construit par des extraterrestres et partagé avec les euh, terriens comme toi Oui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors que le Solaris, le Solaris lui a été fabriqué euh, directement sur la, sur la Terre, euh, pas, ouais. pas sur la Terre, mais sur, euh, avec, des, avec des, de la rétro-engineering, si tu veux, ouais. Ouais. alors que l'Excelsior lui était entièrement fabriqué avec, euh, je me rappelle qu'il y avait une énergie qui était comme bleutée euh, à l'intérieur, euh, il y avait une espèce de sphère et puis ça, ça, ça tournait comme ça en plein milieu, c'est un peu le cœur du vaisseau, je me rappelle très bien avoir visité ça. Et c'était très particulier. On aurait dit une, une sorte de soleil atomique au milieu, tu vois. Je sais pas avec quoi c'était. L'énergie était. Euh, ils des, était... Ils, oui, ils font ça avec l'antimatière. C'est des soleils ouais. artificiels. C'est ça. Bah c'est ça. ça. C'est ça. Ah oui. Bon. Bah, parfait. J'ai vu ça sur Vénus dans une cité souterraine et j'ai vu okay. ça aussi sur ben, le vaisseau de Toran. Alors moi, okay. je te pose toutes ces questions parce que je vais vraiment dans les détails parce que je suis en oui, train bah de, de relier les points là. Tu sais quand mmh. tu fais un dessin là, mmh. as des points, mmh. tu, tu, mmh. tu tires des traits, ça y a un dessin qui apparaît. Mmh. Euh... Oui, je, moi, moi, parce que, écoute, moi, je vais souvent, enfin, souvent, régulièrement, euh, je suis amenée sur ce vaisseau-mère de combat euh, okay. où Toran travaille. Euh, okay. Il appelle euh, le vaisseau mère de combat la fédération, mais dans ce système solaire, on orbite, orbite autour de la Terre. Ok, okay. Ouais, ouais. Exactement comme tu le décris. Alors je, je vais te montrer un dessin. Peut-être que c'est peut-être que c'est pas le même. Hein, okay. oh, ouais, vas-y, vas-y, vas Mais euh, ça me ça me rappelle, ça me rappelle. Alors voici, euh, voici le vaisseau. Il faut que je le trouve dans mon, mon livre. J'ai fait un dessin. Euh, je m'excuse auprès des. Euh... Des auditeurs, enfin un peu coupé. Non non. Euh... Ah, non. je sais pas, c'est peut-être pas le même. Alors oh ah ça y ressemble. Hein. Sans déconner. D'ailleurs tu vois ça y ressemble déconner, tellement sans déconner. Ça, tellement que ça y ressemble que c'est le vaisseau qui est dans Rive Sud. Sans déconner. Et ça, tu as la photo. C'est ah, oui. ben ouais. le vaisseau qui est dans Rive Sud. Tu verras les, les photos que je t'ai. Bah, tu l'as la photo où Victor a les bras croisés. Regarde derrière le vaisseau à quoi il ressemble. C'est la même terrible. chose. Je, je m'excuse déjà auprès des auditeurs. Je, non, non, non. je, je dis non, des gros non. mots, mais c'est direct. Je suis, je suis euh, direct. Hein. Oh là Dans Rive Sud, alors, alors, dans Rive Sud 1, Elena, dans Rive Sud 1, il y a ce vaisseau-là. Je parle de, de l'Alliance, la, de la, de je parle de la flotte intergalactique, je parle de Victor, et tu vois vraiment le vaisseau qui est comme ça, là, et il ressemble exactement comme ça. Il ressemble au vaisseau de rencontre du troisième type. Oui. À oui, la oui, fin, oui, au vaisseau oui, mer. Oui. Exactement, avec comme des cristaux sur les côtés et tout. C'est exactement oui. ça. Et, et tu okay. vois, la preuve, c'est ah, que voilà. dans Rive Sud 1, il y est. Il y est dans Rive Sud 1. Tu le vois clairement. Tu le re reverras, tu verras, il est dedans. Quand j'en parle et que j'ai les bras croisés dans mon bureau et que je parle de la Fédération Galactique, On... les images qui passent, c'est les images de ce vaisseau-là. Et je n'ai jamais lu ton livre. Hein. Jean-Charles, oh <laughs> oui. euh, J'ai les, ah, en... oui. les jambes en coton. J'ai les jambes non, non. en coton. C est, c est, euh... Ça ne m'étonne pas. Alors. Euh... C'est exactement ça. Tu sais. Ah, tu, vas avoir, tu vas prendre une claque quand tu vas voir le, la vidéo. Tu vas, tu... En plus, tu as ah, écrit là, ton hein. bouquin quand. Moi, mon film, je l'ai fait en 2018. Sept, sept, non, je l'ai fait en septembre 2021. Il est paru celui-là. Et mon film est sorti en 2019, en avril 2019. Ah oui, alors oui, tu m'avais dit que tu avais reconnu, dans notre interview en anglais, tu as reconnu cette montre religieuse. Ouais, exact. Oui, elle ah, travaille, ouais. avec, euh, elle travaille dans, sur ce vaisseau-là. Et elle assiste Denethor, qui est un... Alors, lui, il travaille avec les programmes euh, secrets spatiaux américains, okay. Denethor. Okay. Oh, il, ouais. était au il a travaillé au Pentagone avec Valtor. Euh, mm. Alors, Meisha, cette, euh, il l'a appelée comme ça, cette, parce qu'elles n'ont pas de nom. Cette mentide, elle s'occupe justement du côté science des euh, programmes de, spatiaux de coopération avec l'Alliance. Aïe, 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 aïe. Ouais, euh, moi, je cherche des images à l'intérieur du vaisseau. Euh, Et c'est fou alors, ça. Euh, alors, moi, j'ai vu des vaisseaux de Solar Warden. Alors, je suis... Mm. C'est juste un flash. Euh, je... Les dessins ne sont pas précis, mais il quittaient Jupiter. Ouais, Est-ce que ça ressemble ouais. à ça un petit peu bah, Ça ressemble Mou... à des hein, C'est un mauvais dessin. Mais hein. ça ressemble un peu à des ogives. Ouais. C'est très euh, oblong. On dirait des grosses gélules argentées. Hein, des grosses gélules, c'est ça. Ouais, c'est ça, ça oui. Ouais. Des... Alors, euh, ouais, ouais, c'est ça. Mais, euh... Bon, écoute. Euh... Je viens de bien te montrer des... Je suis sous l'émotion. Non, je suis sous l'émotion. Parce que là, les gens peuvent... Pas... Euh, parce que, non, parce que non seulement tu es sous l'émotion, mais c'est bien beau de te dire ça, mais juste quand on aura fini, tu vas regarder euh, rive Sud, tu vas accélérer, tu vas tomber sur l'image. Ça. Je... Alors là, euh, je, je, je m'excuse auprès des auditeurs, mais j'ai les larmes aux yeux là, parce que je, je, veux, vraiment, je veux vraiment te montrer une scène à l'intérieur de la station. On Alors, la... Tu t'imagines quand David a vu mon film Rive Sud et qu'il ne me connaissait pas, il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, il, les larmes coulaient parce qu'il a dit, mais mon Dieu, quand il va lire mon livre, et moi je ne sais même pas c'était qui, et j'ai lu son livre, je me suis mis à pleurer. Est-ce que tu connais cette femme est-ce que tu l'as croisée elle a une, c'est pas Maria. Mais non, non. Non, euh, non, non. Non, non. Non, c'est... Euh... Ardana, euh... c'est cha... le chef militaire à bord de cette station. Ah, mais il y a tellement de monde que j'ai croisé. Là. Il y a tellement, tellement de monde. Tellement monde. Oh, non, je te le dis. Euh, c est, c est... Mais regarde, euh, moi, je suis sûr qu'on s'est croisé avec elle. fait de... rien. Alors, <laughs> écoute, moi, je n'arrive pas à te retrouver les images, mais euh, je suis... Euh... Pendant qu'on parle, euh, attends, petite pause, parce que je veux vraiment te les montrer. Euh, oui. Voilà, c'est ça, ben voilà. Alors, ça, c'est un hall dans la, 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 la station avec, euh, c'est des, je ne sais pas si tu peux voir, c'est assez, as eh oui. la... ah, qu'est-ce que tu penses? Ben là, c'est vraiment, vraiment spécial, C'est vraiment comme ça, là. C'est très, très, très étrange de, de voir un dessin qui exactement... Non, c est exactement. On dirait que c'est un hall, le hall principal du. du... Ça tourne. Les... Et puis alors, euh... Attends que je te dis. alors là, tu as, oui, oui. as des cafés et des restaurants. Oui Là, tu as des cafés et des restaurants. Oui, exactement. Oui, et oui. tu as des alcôves de l'autre côté en face. Oui, avec... tu as des alcôves, exactement. Des alcôves. exactement oui avec des grandes fenêtres, avec des ogives, tu peux voir l'espace. Le, le, l'espace. Voilà. Tu as des passerelles au plafond qui vont dans tous les sens. Oui, mais, oui, mais c'est la passerelle sur laquelle je suis quand je me promène. On voit l'espace sur les côtés, elle est transparente. Et quand on arrive sur la gauche, il y a la, la salle de classe qui donne sur l'espace. Et en dessous des cafés, tu as des magasins. Ah, euh, il y a de tout. Hein. Je t'ai dit, euh, comme je disais à Michael, c'est vraiment une ville flottante. Là. Il, y a, il y a des magasins, il y a des restaurants, il y a, il y a des salles de repos, il y a des gyms. A... C'est vraiment la même chose. Hein. Oh mon Dieu, le couloir. Mais oui, oui. Oh ah, ça fait bizarre. C'est comme. Oh mon Dieu, j'ai des frissons partout sur le, sur le visage et sur le... jusqu'en haut du coronal. My God. Okay, J'ai euh... jamais lu ton livre en plus. Hein. Mon Dieu. Bon, alors, c'est euh, pour ça que toi et moi on est familiers. Ben oui. On a dû se croiser, mais. Mais comment alors... ça Tu pas sur les SSP Je comprends pas. Non, non, comment on s'est tout... croisé moi, je... bah, 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 moi je suis souvent. <laughs> ah, ok, d'accord. Tu es, es touriste. <laughs> je suis touriste, voilà. <laughs> ah, ok, d'accord. Euh... Ah, oui, il faut... mais ça -y. Je, je viens de connecter. Euh, parce que là, euh, ça, ça vient de me popper d'un coup, mais le rêve qu'on a fait, il n'y a pas longtemps. Il oui. y a à peu près quoi, deux semaines de ça oui. Avant de parler de la cafétéria, on va en parler de ce rêve. Vas-y. Alors, moi, je fais un rêve. D'abord, rêve. Euh, je, bon, pour tout le monde, j'habite en Irlande. Okay mm -hmm. Je fais un, un rêve, mais vivide. Le genre, ce n'est pas un rêve. quoi. Hein euh, je, suis, je, suis, je suis à l'extérieur. Il fait froid, il fait brumeux, il, fait... il y a un petit grésil et euh, dans les collines irlandaises. Et puis euh, voilà. Et puis euh, je vois. Alors il y a dans mon rêve il y a un vaisseau qui descend. Il y a je vois le, 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 le vaisseau scout ship de, de, de Toran qui descend. Et ça c'est mon rêve. Voilà, c'est tout. Poum. Euh, Alors... Vas-y, raconte le tien. Attends, et eh là, oui, moi... il, y avait, il y avait un et... chien de berger sur le. le c'est ça. Et, et, et là, moi, je te dis euh, le lendemain, je te parle, je te dis salut, comment ça va Tu me dis ça va bien, tu as bien dormi, oh, j'ai fait un drôle de rêve. Je dis, ben bah, moi aussi j'ai fait un drôle de rêve. Figure-toi que euh, j'avais froid, C'est je me suis réveillé dans une espèce de petit chemin euh, avec de la brume. Euh, J'étais en Irlande, il y avait une montagne et il mmh. y avait un vaisseau qui sortait des nuages et euh, tu étais à côté de moi et oh. tu, tu me donnes la main et je te dis, bah, tu me donnes la main, euh, je suis en couple, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là <laughs> Et là, tu me dis... Viens avec moi, je vais te présenter à la famille. Et tu lèves la tête et je me suis réveillé. Et là, tu me contes ça. Mais c'est un truc de dingue. Alors moi, j'ai demandé à Thoran parce que. Eh, viens, bah oui. <laughs> Il me dit oui, oui ça s'est vraiment passé, mais c'est à Jean-Charles de euh, se souvenir parce que c'était euh, pour lui. Alors à date, je ne me souviens de rien, non. mais. Je sais que j'étais entouré. La seule chose qui me reste, c'est une bienveillance et un amour inconditionnel. Je sens quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais j'en ai pas de souvenir pour l'instant. Et, et je, je, je mais je me rappelle très très bien de ce sentier et tout. Alors je me suis dit, imagine, je me suis téléporté en pyjama en plein milieu de guirlande Mais mais toi, tu t'es retrouvé dans ce sentier toute seule en te demandant, mais qu'est-ce que je fais là et Mais j'étais pas j'étais pas à côté de toi, moi. C'est mm -hmm. comme si c'est comme si tu te retrouves là, tu as presque la main tendue dans le vide en disant Pourquoi j'ai la main comme ça Il n'y a personne. Voilà, c'est C'est un, c est c est un ça, peu ça. C'est ça, 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 ça. Mais euh, c'est fou, mais il euh, y a des trucs comme mm. ça. Alors, alors vraiment. Alors là, écoute, euh, j'en avais les, 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 les soupçons, mais là, on vient de, de prouver qu'on on va sur le même vaisseau de la oui. Fédération Galactique. Mm -hmm. Mmh. Ah oui ça c'est Un le vaisseau de combat qui, qui s'occupe de gérer aussi les connexions avec les SSP, ouais. euh, oui. Solar Warden, euh, l'Earth Earth Alliance, l'Alliance Terrestre. Ça mmh. se passe tout lié sur ce vaisseau-là, okay euh, La puce à l'oreille, <laughs> c'était ouais. quand je t'ai interviewé en anglais sur mon autre channel en anglais. Oui. Euh, tu commences à me raconter la cafétéria sur ce vaisseau-mère, tu vois Et moi, mmh. et moi, je suis là. Non. Et c'est marqué dans mon livre en plus. Je, je, je veux dire, euh, non, pas tout quand même, pas tous les détails. Mais moi, je te, je te dis, mais attends, mais moi, je vais dans la cafétéria. Vas-y. Yes. and uh, we we eat in uh, like uh, a big um, um, cafe you know cafeteria. Cafeteria, cafeteria, yes. Cafeteria with a yep. lot of races, yep. but um, I've seen that. It, it, it's curious huh, to explain that because. Uh, <laughs> yes i've seen that i've actually been there a couple of times in a uh, search cafeteria on the military station and uh, yeah you have you have your tray and you go and sit at tables and everybody yes yes yeah yes. um, you, you have food replicators and you just yes yes and you go with your tray to the food replicators you queue yes. there there's a wall with food replicators exactly what? but replicate <laughs> replicate for, for the taste but not for the for the food because it's like a, a baby food mm, like a mash puree Yes, mash. yes 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 different but colors it, different it, textures yeah. yeah yes but it's like uh, it tastes like a chicken, or but the appearance was not uh, a chicken. <laughs> <laughs> it's the same cafeteria. I remember you with your plate. <laughs> I always hanging around Pleiadian guys. <laughs> yes, so, um, just to yeah, two things. Uh, French contactee robert l um, yeah. michael salah did a video with him i interviewed him um, and he was taken into the himalayas and he was in a base of from the intergalactic confederation it was another yeah. thing from bigger first stuff and it, it described the same food a kind of little mash that he had to crush and oh, it tasted okay. like meat <laughs> uh, okay. and he had the same thing for a year eh? Day. But he said it was all right. okay. Mais on a, on là, est, en fait, on est allé dans, on va dans la même cafétéria. Mais et je te allez, dis, je me je me rappelle exactement euh, parce que j'en dis, ah ouais la même cafétéria tout ça et euh, c'est quoi qu'on mange. Voilà, ah, qu'est-ce qu'il mange Eh bien, on arrive devant une espèce de, de pupitre sur lequel on peut programmer ce qu'on veut. Alors, tu as sûr. de tout. Hein voilà. Sauf que ce qui sort, ce n'est pas du tout ça. Ça goûte ça, mais ce n'est pas du tout ça. Tu demandes à demandes, admettons, je vais un, un poulet aux champignons. Ça va goûter le poulet aux champignons, mais ce qui va sortir, c'est une purée bizarroïde pff, avec plein de nutriments, etc. On dirait de la bouillie pour les bébés, tu sais ça. Ah, bouillie, bouillie. Et là, toi, tu me dis, ah, mais hey, tu te rappelles que quand on appuie sur le bouton, ce qui sort, c'est pas du tout ce que ça goûte. Ça, ça, ça a l'air bizarre, mais ouais. Mais ça goûte ça. ce qui qu est marqué, mais ce n'est pas ça. ça. Oh. Ah ouais, non, mais alors attends, puis je, alors, je, commence à, je commence à te décrire. Euh, oui, on fait, on, <laughs> fait la, on fait la queue et puis y a des, ces réplicateurs sont sur le mur. Il y a une rangée oui. sur le mur et on fait la queue. Et euh, voilà, on choisit, on, on sélectionne ce qu'on veut. Puis ça, ça, mmh. ça, 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 ça arrive, quoi, ça coule. Quoi. Exactement. Et après, on va s'asseoir à nos petits plateaux. Il y a des tables et des chaises. C'est super immense. C'est super immense. Il y a des grandes baies vitrées. C'est énorme. Et euh, voilà, il y a toutes les races. Enfin, ceux qui mangent ce genre de, ce genre de choses. Quoi. Et euh, voilà, il y a des tables. On va s'asseoir à son petit plateau. Et puis, euh... mais exactement... Euh... Et en fait, c'est vraiment la même cafétéria. C'est vraiment. Alors, c'est fou ça. C'est très curieux. Puis les, les salles de repos qu'on a, parce qu'on avait des chambres, nous, euh, on est des étudiants, on est des, on est à l'école et puis on est formés. Hein. Ouais, je rentrais dans ma chambre, donc tout était très épuré, tu sais, translucide, etc., très lumineux. Il y avait de la lumière, mais on savait pas d'où elle venait. C'est-à-dire que, c'est comment je pourrais t'expliquer euh, Là, je revois la salle. Je ne suis pas capable de localiser d'où vient la source lumineuse, mais c'est lumineux. Il oui. n'y a, y a pas d'ampoule, il n'y a rien. C est, c est... Okay. Puis là, il y a comme une sorte de med-bed dans lequel je peux me régénérer euh, quelques minutes et ça correspond à 8 heures de sommeil. Je programme, un peu comme un micro-ondes. Je me mets dedans. Là, je sens que ouh, je me sens comme un ouais. peu. Ah, et hop, d'un seul coup, j'ai la pêche et tout. Tony Rodriguez parle de ses maîtres aussi. Ah oui, Tony parle de ça oh, okay. Oui, ouais, ben lui, c'était dans la Dark Fleet. Mais il y a, je veux dire, c'est ouais, 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 tout, ouais. tout le monde les a. quoi. Ouais. Tony, Tony, hmm, Tony, je, 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 je suis sûr que je l'ai vu. Je suis sûr que je l'ai vu. C'est indéniable. Son visage me dit tellement de quoi quand je le vois je ressens et je me demande si à un moment donné quand j'ai pas été pour une opération de sauvetage il n'y a pas eu quelque chose parce que je connais pas l'histoire de Tony au complet ok mais moi à un moment donné je suis allé sauver euh, euh, rescue des, des gens et ça c'est moi qui dis ça hein. c'est à prendre avec des pincettes mais on peut imaginer que peut-être je l'ai je l'ai je l'ai aidé et qu'il et que y, a, y a un lien. Parce que quand je le vois, il y a un lien. Genre, j'ai envie de le prendre dans mes bras comme si c'était mon frère, mon ami. Et je ne le connais pas. Et l'autre fois, quand je lui en ai fait part, il m'a dit c'est très curieux parce que je ressens un lien similaire. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose qui passe entre lui et moi. On s'en est parlé il y a pas longtemps, et quand on a fait le Tony Show, et il m'a dit oui, je, je sens la même chose. Elle ben, n'est pas là pour me faire plaisir et me dire ça si c'est pas vrai, tu non, comprends. Non, bien sûr. Donc ah, euh, non. on sent qu'il y a vraiment quelque chose de très, très spécial. Wow. Ah oui, ouais, non, non, lui, il ne passe pas par quatre chemins, il, il dit ce qu'il a à dire et hein, puis c'est comme ça, hein, c'est tout. Donc euh, moi, je te dis que ça se trouve, on est tous... Et tu sais, récemment, j'ai vu euh, un épisode de Star Trek Discovery que je regarde de temps en temps parce que je trouve que c'est vraiment bien fait. Et quand je tombe sur un passage de la cafétéria, je me sens tout mou. Je suis là en train de me dire, oh, ça ressemble tellement à ce que j'avais là-haut, à là, la cafétéria et tout, les gens en uniforme, dans les couloirs et tout. Alors les gens vont dire, ouais, mais bon, mais c'est parce que ton esprit va connecter. Euh, les films qui sont faits sont des films à message, il ne faut pas l'oublier, ah, oui. qu'il y, y a des clés qui sont insérées dans des films et ça va éveiller ta conscience. Il y a des bruits, des odeurs, des images, des sons qui vont faire une réminiscence de, 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 de ta mémoire. Oui, tu voulais me montrer quelque chose Oui. C'est à bord du, 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 du vaisseau de la station. C'est un bar avec différents extraits. J'allais dire, on dirait un… Mais ben oui. Ben oui, bien oh, sûr. Il y a des la... oui. luminaires de plasma qui flottent. Est-ce que tu les as vus, ces luminaires de plasma qui flottent ben, J'ai vu des trucs flotter, mais je n'arrivais pas à savoir où était la lumière. Je t'ai dit tantôt. Ah, oui. Mais c'était très coloré. Il y a des endroits comme ça qui sont… Mais tout est futuriste. Et ce que je me rappelle, c'est qu'il y a une baie vitrée qui fait tout le tour. Oui. Et, euh, et, et on voit l'espace. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est C'est comme un, comme un globe, oui. comme un aquarium sur le centre. Et, et, et en fait, on voit tout l'espace. C'est magnifique. Voilà. Et au centre, voilà. Alors au centre du vaisseau, il y a un parc, il y a un grand parc. Ok. Avec des, des plein de nature. Et alors c'est là où ils vont. C'est un peu pour. Euh, leur... Ben voyons. Je t'ai dit tantôt, je t'ai dit qu'il y avait des environnements recréés, des écosystèmes. Voilà, c'est ça. Avec des mini-cascades et tout ça, avec des trucs. Il y a même des oiseaux, puis il y a des animaux de la terre qu'ils ont ramenés. Okay, pour refaire un écosystème et voilà. tout, c'est incroyable. Chaque, il y a des parties dans ce, dans ce oui. sur cette station spatiale. Mm -hmm. hein, il y a des parties mm -hmm. qui sont euh, chaque euh, ra, chaque espèce à son environnement parce qu'il y en a qui ont besoin d'un air différent, gravité différente, euh, ça. Euh, lumière différente. Tout ça, et euh, moi je vais souvent, moi je vais à chaque fois, j'y vais, je vais dans l'environnement le, le, des pléiadiens et des, 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 des mm. tout ça. Euh, là, les gens qui sont, sont comme nous, euh, parce que c'est le même air, même gravité, tu vois. Mais, euh, Il y a des endroits où on ne peut pas aller pas parce aller. que, euh, là, là, bah, un, parce que c'est pas autorisé, puis deux, en même temps, parce que l'air ne correspond pas à nos poumons. Donc, on voilà. peut avoir des problèmes. Il y en a qui ont du méthane, d'autres plus d'azote, plus d'oxygène. Donc, euh, c'est où on peut y aller avec un appareil. Ah. Vois, comme quand j'expliquais euh, l'émission sur Mars que j'ai faite avec, euh, avec David, j'ai expliqué qu'on avait une soute, un exosquelette avec un appareil, mais pas partout. Il y a des endroits où c'était respirable et vivable. Pour ça, les gens vont dire, mais il avait dit ça. Non, non, non. C'est comme sur Terre, il y a des endroits qui sont hostiles et d'autres qui ne le sont pas. Et sur la planète Mars, il y a des endroits où tu peux vivre tranquille et d'autres où tu ne peux pas vivre tranquille parce qu'il y a des trucs de souffre, des espèces de... ah. avec des volcans, etc., et tout, puis euh, ben, c'est très néfaste pour toi, donc tu as besoin d'un appareil. Il y a des endroits où tu peux être... Il y a des magasins, y a des... encore une fois, hein, on est encore dans le truc des magasins, une politique, euh, des gens qui vivent là tranquille et qui ne savent même pas qu'on existe sur la Terre, comme sur la Lune, de l'autre côté. Wow. Euh... Moi, je suis encore sous le choc de... Enfin, c'est, voilà, en direct. Non, mais je comprends, je vois, comprends, mais pour le vaisseau Pour le vaisseau, <laughs> pour, le vaisseau, pour la, la station. Et tu te souviens, tu m'as envoyé, bon, tu m'as envoyé des, des images, des Oui. Des photos parce que oui, tu es, tu es oui. très, très doué en reconstituant par ordinateur. Ça, ça aide à expliquer, euh, voilà. euh, ouais, 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 ouais. Tu m'as envoyé, euh, j'ai la photo, mais ça fait comme une photo d'un couloir, d'un des couloirs. Ouais, ouais. Euh, et quand tu m'as dit, mais... C'était juste un bête couloir sur un vaisseau. Et mmh. bah, à côté de ça, tu m'as envoyé des, 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 des images bien plus magnifiques, comme des photos de Victor, tout ça. Mais tu m'as demandé quelle est la photo oui. qui te fait le plus de... Qui, tu vois, qui résonne le plus. J'ai dit, la photo du couloir m'a fait pleurer. J'ai dit, c'est tout bête. Hein. C'est ouais, ouais. la photo Mais du sûr. couloir qui m'a fait pleurer. Et là, je vais t'envoyer la photo du vaisseau dont je te parle pour que tu l'inclues dans le montage je vais faire un arrêt sur image sur mon film, tantôt, je vais l'extraire l'image en JPEG et je vais te l'envoyer, pour que tu la mettes. Quand, quand tu vas en parler, tu vas dire, c'est cette image-là, parce que là, on se parle, il n'y a pas d'image encore, oui. tu comprends oui. Donc, quand je vais, je vais t'envoyer cette photo-là, juste qu'on aura fini notre enregistrement, je vais te l'envoyer. Extrait de, de Rive-Sud. Tu vas tomber sur le cul, je te le dis, c'est la, la même chose, on dirait le dessin. Avec les pointes et tout ça, il y a le plateau, avec comme des... C'est immense, hein, c'est... On dirait une toupie en fait, une toupie avec plein de pointes. Oh mon Dieu. Hum. C'est ah, une toupie. Oui. Voilà. Et alors, oui. en haut, il y a des, comme des, des, des gratte-ciels au milieu. Et, les, et voilà, là, là, mon Dieu. Tu, 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 vas, tu vas avoir. Et il y a des gratte-ciels. Voilà. C'est comme des gratte-ciels. Et c'est les, les, ouais. les habitations principales. Tu as tous les officiels Exactement. qui habitent là. Et puis il y a des antennes au milieu. Et ça se termine et en pfff. grande, une autre antenne. Et en dessous, il y a des espèces de, de, de trucs euh, pareil, mais moins. Tu vas voir. Euh, c'est la il y a, même chose. Il y a toutes les pics autour qui sont des canons et des trucs de défense. L'image, c'est pas un truc qui ressemble, c'est du copier-coller à deux, à 200 ce que je vais t'envoyer. Et en plus, c'est animé, on voit des vaisseaux qui passent comme ça, puis ça tourne comme ça, on voit la Terre derrière. Écoute, là, c'est vraiment c'est un, un scoop parce que. Ah, bah oui. oui. Moi, oui. Je parce que si je l'ai inclus, moi, je te connaissais même pas. Hein. Moi, je raconte toujours, mes... mais ouais, je ouais. toujours en anglais. Je raconte toujours mes visites. J'écris mes visites, mmh. je visites sur le... mmh. la station de combat de la fédération. Mmh. Pétard, je veux dire. Euh... Ah ouais, je comprends. Alors les voilà gens ont peut-être pas avoir la même la même euh, la même sensation qu'on a nous, mais euh, c'est quelque chose qui on s'attendait pas du tout à ça. En plus là, tu vois, on avait non. enregistré. Non, on, sa... on savait pas qu'il allait y avoir ça. Même moi, tu vois, j'en je, je, suis, suis bouleversé parce que c'est fou. Imagine quand David a vu mon film, lui, il avait écrit déjà le livre. Il était en impression. Et là, il voit le film arriver avec les images de son bouquin. <laughs> c'est. Les gens qui. C'est pas possible. Est, on n'est plus dans le hasard, ni dans le. Dans la, pas la synchronicité, mais dans la, une possibilité. C'est pas possible. C'est. C'est comme quand tu joues au dé puis que tu sors 5 euh, euh, fois sur 10 euh, le 6, mais que tu fais 9 fois sur 10. C'est plus la probabilité. Dès que tu dépasses le 5, là, c'est 100 sur 100 qu'on a. Jusqu'au D5 et aux vidéos et aux effets spéciaux que je fais, je crée un vaisseau spatial, je le mets dans mon film, et puis 4 euh, ans plus tard, on se rend compte pour la première fois de notre vie. Puis là, tu, tu montes ton bouquin que tu as écrit là, en 2021. Et puis là, mon, mon film est fait depuis 2019. Euh, il est sorti au cinéma. C'est improbable. Non, mais c'est génial. Mais écoute, là... Ah oui, c'est génial. Euh, je, 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 vais, je vais travailler sur les sous-titres en anglais pour cette vidéo. Je vais là aussi... Ah bah oui. ...pour, pour, pour <laughs> le monde là, anglais. Doublement. Michael Salah va tomber, sa, tomber de sa chaise. C'est clair. C'est clair. Michael, génial. il va capoter, c'est sûr. Ah oui, là, il faut que tu le traduises en anglais, là. Il bah, n'y a même pas... Parce que tout ce dont on parle là... On n'en a jamais parlé autrement dans d'autres vidéos. Et c'est directement euh, live. C'est quelque chose qui vient d'arriver subitement, pendant qu'on en parle. On n'avait pas prévu. On a dit les questions, on va, tu vas les poser euh, simplement. Il n'y a pas de questions préparées. Ça va y aller euh, free ah, for oui. all, direct. Oui, ouais. oui, oui, oui. Ouais. Euh... Ouais, je suis sans voix là, je sais pas quoi. Je, je, sais, je sais, moi aussi. Et restons focus. Okay. Alors, nous en étions Alors, où Nous en étions où <laughs> euh, nous, nous en étions à décrire l'intérieur, euh, les petits détails de, de la vie. Alors, euh, est-ce que tu es allé, tu te souviens aller dans des, des bars, des bars ou des, des ouais. différentes espèces oui. Euh, qu Qu'est-ce que, qu que tu buvais Est-ce que tu as des, des boissons ben particulières je, dont tu te souviens Je ne buvais pas d'alcool, mais je jamais bu d'alcool de ma vie, curieusement euh, sur Terre, mais euh, je ne sais pas s'il y en avait, mais je me souviens d'une boisson qu'on m'avait servi qui était fluorescente bleue. Bleue. Avec des petites bulles ben de, de couleur verte à l'intérieur. Voilà. c'est ça. Pourquoi Voilà. voilà. Ben moi, je décris ça dans mon livre. C'est ce qu'on <laughs> me fait boire. Quand je vais là... Je t'assure. Alors, attends. Ben voyons donc. Attends. Oui. Euh, ça s'appelle... Voilà, euh, ah c'est moi qui suis scotchée. Boisson ionisée. Alors, faut que je trouve le, le petit truc du bar, d'ailleurs. Euh, oh my bar. God. Voilà. Euh, quand, quand je suis là, voilà, c'est dans, dans des, des, des petits verres, des, des verres euh, qui ont plusieurs formes. Hein. Ouais. Ça, petite la petite bubulle. Euh, et... Euh, on aurait dit des lucioles vertes à l'intérieur qui flottaient dans le verre. C'est hein. ça, c'est ça. Et euh... c'était comme bleu, tu sais quoi tu, tu sais, C'est con parce que là, on va, on va comprendre, mais tu sais l'arpic chasse d'eau que tu mets euh... <laughs> dans les toilettes, là C'est comme bleu roi, là. Voilà. Comme du curaçao, tu sais Comme un Le cura... de... tu... curaçao cura... ah, Voilà. C'est ça, curaçao. C'est ça, même couleur. Commander Val a or, euh, commandé des boissons. Euh, from, from a floating uh, droid. Il voilà. y a des, 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 des droids qui flottent, qui sont bas, des fois. <laughs> Dans celui-là, hein, pas, tous, pas tous. Pourquoi tu veux ça aussi Ben oui, et avec un plateau. Ah, okay. eh, les gens vont penser qu'on est perché total. Oh mon Dieu j'ai jamais ouvert ton bouquin. Hein. Je sais. Il existe en français non, ton te... bouquin Non, 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 ah c'est bon, en anglais non. seulement. Ouais, Alors mort, euh, ouais. voilà. Euh... Euh, J'en étais où la boisson là C'est moi servi... qui suis perturbée. là. J'étais servie. I was served. J'étais servie. Servi... A big tall glass, un grand verre. Euh... Ouais. Filled rempli with a turquoise fizzy liquid, rempli avec un liquide euh, effervescent turquoise, mais pas effervescent euh, euh, à bulles, turquoise, ouais, 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 euh, ouais. que je reconnais tout de suite euh, comme une boisson ionisée. Euh, alors, ces trucs, euh, c'est saturé, des molécules saturées en oxygène à <laughs> l'intérieur. Ces, ces espèces de boissons ne sont pas faites pour les, les, les cœurs sensibles. Euh, euh, ça, ça, ça te relaxe un petit peu, ça, ça te réveille euh, aussi. Alors, si tu en bois trop, l'oxygène te va au cerveau et tu, tu as la tête qui tourne, c'est du Donc, il faire attention. Mais je, je tiens à préciser aux auditeurs que nous n'avons, euh, c'est pas préparé, hein, c'est pas une supercherie, hein. c'est pas, pas une blague, hein. non. sérieusement. Hein. C'est un ça, truc de dingue. Mets... Bleu. Et tu décris non, On est couleur. rendu dans la cafétéria. Tu vert. Non, non, non. Me dire... mais, non mais je m'en souhaiterais très bien parce que ça marque. Turquoise. Regarde, regarde, regarde. regarde. Je turquoise, te mon Turquoise, comme truc des toilettes, là. C'était comme ça. Ah, c'est ça. Mais oui, mais cette couleur turquoise. Je l'ai <laughs> je, je sais. Ça, c'est mon vert. Mais c'était la couleur. Ah, c'est ce qu'ils boivent. Ouais. Enfin, et alors, moi, la première fois, euh, c'est ma copine Myra qui m'a qui dit… Euh, Allez, vas-y, goûte ça. Tauran lui a dit, attention, euh, doucement, doucement. Euh, elle a fait Mais non allez. Elle est marrante ma copine Myra. Euh, et alors, je l'ai bu comme une gorgée. Ai... Mmh. Oh, punaise. Et je me suis évanouie, en fait. L'oxygène, bah, je monté comprends. Au cerveau. Ouais, ouais. <laughs> et euh, voilà. Alors, deuxième fois, maintenant, c'est... Des... Je prends deux ou trois petits... Les shooters. C'est tout. C'est tout. tout. Parce que je sais le résultat. Alors, t'as bu ça aussi ben oui, j'ai vu ça, oui, 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 oui. Ouais, J'ai goûté ça, effectivement, oui. C'est bouleversant. Je, maintenant, c'est à mon tour. Tantôt, c'était toi, là, c'est moi. Bon. Okay. Quoi d'autre Alors, un autre détail Dans cette station Oui. Il y a des gens qui marchent partout, il y a des passerelles partout. Oui. mais ben oui, oui. Oh, Les passerelles métalliques avec des petits triangles comme ça. Oui, oui, oui. Okay. Oui. Mais il y a aussi, si tu veux aller rapidement, parce que c'est énorme, hein. <laughs> euh, rapidement d'un point à l'autre de la station, il y a des ouais. pads, des pads de téléportation. Ben oui. Okay. Alors, c'est des, des, des cercles sur le sol. Bah, ouais. des, tu, tu reconnais, c'est des endroits… Oui, oui, oui. Quand tu arrives, voilà. ça s'allume, tu poses ça dessus, ça… Ça s'allume, ça fait oui, 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 oui. juste quand tu poses le pied, le cercle s'allume. C'est une blague. C'est sûr que c'est caméra cachée. C'est un truc. C'est pas possible. Aïe, aïe. Quelqu'un qui corrobore toutes mes expériences. Jean-Charles, c'est la première fois pour moi. Ben, ben oui. Quelqu'un qui. j'ai des chatons complètement excités. Quelqu'un qui. Voilà. Ouais. Alors, je le redis encore, ce n'est pas une blague. Hein. Non, non. Ce non, n'est non, non, vraiment pas une blague. Hein. Non, On non, est non. très sérieux. Là. On est très sérieux. Mais ça ne m'étonne pas. De hein. toute façon, ça ne m'étonne pas du tout. Hein. On le s'en doutait, mais à ce point-là, euh, j'avoue que euh, pas de questions préparées, on y va free for all. Euh, tu vas, vas-y, lance-toi, pose-moi les questions qui te passent par la tête et bing-bang. Euh, alors, toi, tu, es, tu y étais quand De quand à quand bah, Je suis allé plusieurs fois. Quand j'étais quand euh, adulte, adulte, parce que je ne pouvais pas boire si j'étais si enfant, je n'avais pas le droit d'aller boire ça. Ce n'était pas enfant, j'étais adulte, j'avais à peu près, je dirais, j'avais peut-être 23, 24 ans terrestre et la dernière fois que j'y suis allé c'est quand je suis revenu de mission puis que je me suis fait éclater puis que j'ai été après dans le medbed après on m'a dit comme par hasard, un petit remontant là je suis allé au bar parce que je me sentais tout neuf, tout beau, tout bien comme il faut donc là je suis allé dans ce bar et j'ai bu ça effectivement ça m'a remis d'un plomb parce que on m'a dit souviens, attention de ne pas boire ça trop vite euh, parce ça. que moi j'ai bu, bu ça trop vite. J'ai <laughs> senti, senti que je partais un peu en arrière. C'est ça. Parce que c'est vrai que c'est comme si tu avais un shoot d'oxygène d'un coup. C'est ça. Mais on t'a dit aussi qu'il y avait de l'oxygène dedans? Non. non. Mais Et moi, c'est l'impression que j'ai senti. Voilà. Euh, tu sais, quand tu prends, admettons, un truc pour, pour, la, pour la plongée, si jamais tu prends trop d'oxygène, okay. okay. comme ça, tu comme oh, attention, là, pouf. Tu te sens... Voilà. Un peu dans les pommes. Alors, il y a, y a levé l'équivalent, mais en orange. Et on m'a dit, touche pas ça. <laughs> non, je n'ai pas vu ça. Moi, j'ai vu juste voilà. le, le bleu. Moi. Voilà. Et moi aussi, on me fait, fait toucher que le bleu, hein, avec des petits, petits reflets verts dedans. Mais toi, tu dis des bulles. voilà. Moi, Attends, j'ai autre fait. chose. Hein, parce que là, pendant qu'on y est, ouais. euh, c'était des extraterrestres qui servaient, hein, de l'autre côté du bar. Oui. OK. Enfin, c'était des... des ben moi, moi celui, ben celui qui amenait le plateau euh, directement, c'était les androïdes qui se pointaient, voilà. mais celui qui servait derrière, il y avait une tête un peu, il ressemblait un peu à, je ne sais pas comment je pourrais dire, une sorte d'iguane, de, euh, ouais. avec des yeux un peu bizarres, tu sais, qui faisait de même. Là. Il était derrière, okay. et euh, je me rappelle de sa face, là. C'était assez. Il euh... euh, y, y a tellement de bars là. Avec, avec des taches. Non, mais euh, non, pas, Mais pas pas. moi, je ne faisais pas attention. Euh, je regardais beaucoup les gens autour de moi. Il y avait beaucoup d'êtres humains. Il y avait des gens de différentes races extraterrestres. Tout le monde parlait, tout le monde papotait. C'était vraiment comme, euh, comme si tu étais dans un bar normal euh, euh, sur Terre, quoi. Mais avec des créatures différentes. Personne n'était étonné, tu vois ce que je veux dire L'autre avait une tête bizarre, l'autre avait euh, trois yeux, l'autre avait un oeil, l'autre avait des oreilles avec, euh, comme des, des, des pointes. Il euh, n'y euh, avait personne d'autre avec des antennes bizarres mm -hmm. et tout. Il n'y avait personne qui était... Euh... Tu sais, il drôle de tête celui-là. Ah non, non. Et derrière, y a, derrière le bar, il y avait, euh, je te dis, cette, cette créature euh, avec des taches, avec des grands yeux, euh, un peu, euh, je te dis, comme, comme une sorte d'iguane, de, de, quoi, mais euh, palais, hein, euh, un visage humanoïde. Et autour de nous, il y avait des androïdes qui étaient en lévitation. C'est ça. Qui... Les androïdes en lévitation. Mais attends, je ne sais pas voilà. Il y avait, on aurait dit des pods. Mmh. Comme ça se promenait Il y avait un plateau. Attends, attends, je vais te faire un gros plan quand même sur ça. Un table. peu comme dans les vaisseaux de Star Wars, là, dans la neige, mais en tout petit. Tu attends, vois attends, celui tu vois qui pas. flotte Attends, attends, je vois. Oh, attends, attends, oui, oui, attends, attends, ouais. Oui, ok, 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 ouais, ouais, ouais. Oui, exact. Ouais. <laughs> de la tête, je suis tellement, tellement euh... ouais. Euh... Bon, c'est ben voilà, <laughs> voilà les amis. Euh... Voilà, ça commence à être chaud là, parce que là on corrobore plein de trucs. Euh... Puis, euh... ouais, du coup, je, je crois dire... qu'on va appeler Michael après ça. <laughs> ben oui, bon, ben on dirait que hein, l'émotion, euh... je veux dire. Euh... Ah ben non, c'est... J'essaie de me contenir, mais j'avais je... jambes coton un peu plus... Quand tu vas voir le vaisseau aussi. <laughs> Et je suis sûr qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Hein. <laughs> merci Jean-Charles. Oh mon Dieu. Ah, merci à toi, parce que là, moi, je suis euh... bouleversé. Bon, continue. Oui. Oui, alors... oui, on continue, allez, oui. allez on, on, on te ressaisit un peu là. Les détails, les détails, les détails. Dans... Alors, les uniformes, oui. euh, quel, quel genre d'uniformes as-tu vu et quelles différentes races les portaient Oh, alors, plein, plein de races, mais les uniformes que j'ai vus, c'est des uniformes qui étaient euh, en un seul morceau, euh, qui étaient partagés en deux par une couleur, des fois. Ils étaient noirs et rouges ou noirs et bleus. Il euh, y avait des insignes qui pouvaient être ici. Ou sur le côté ici, représentant des fois euh, un triangle avec euh, des, des, des points, ou euh, les Pléiades euh, directement brodées. J'ai vu des Pléiades brodées. Euh, J'ai vu euh, la planète Ultima, la planète Antares. Euh, J'ai vu des triangles, des, beaucoup de formes géométriques différentes. À un moment donné, ben, quand j'étais dans le bar, il y en avait qui étaient habillés en, en uniforme. Et j'avais remarqué qu'ils avaient tous quasiment un logo différent. Ça. Euh, donc, on aurait dit qu'il y avait multination qui était là. C'est ça, c'est si avait... galactique. Ok, ils étaient tous là en train de picoler un petit coup. Voilà. Et, euh, et ils étaient tous là. Et j'ai vu des gens qui étaient en combinaison argentée aussi, hein, euh, couleur argent, couleur or. Apparemment, l'argent et l'or avaient différents grades. Euh, C'était très, euh, très aluminium, très près du corps, tu sais, comme une seconde peau, ah. un peu comme. Euh, euh, ben on se demande, il n'y avait pas de couture. Je me demande comment c'était enfilé d'ailleurs. Oui, alors moi j'en ai enfilé une, je peux l'expliquer. Okay. Ben, on aurait non. dit que c'était comme, euh, comme si ça avait pris corps avec la personne. Et ce qui m'avait choqué, c'est que quand je regardais la personne, je cherchais où était le point de couture. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de point de couture, ni derrière ni devant. Je lui mais comment ils enfilent ça par, le, par, la, par la tête Ce <laughs> n'est pas possible, parce qu'il y a le coup. C'est élastique. Mais tu... Non, c'est élastique. Ah, mais quand même, je veux dire, c'était quand même assez Moi, moulant. Non, c'est quand j'en ai essayé une. Ah, bah oui, c'est ça. C'est complètement près du corps. C'est alors. Oui, celle de la femme est, est plus, ouais, plus comme ça, effectivement. Alors, c'est près du corps. alors, le truc, c'est un peu élastique. À l'intérieur, ça fait comme du spandex. Si oui, oui, du, sport, du spandex. Oui, du oui, spandex. tout à fait élastique, l'élastomère. Oui, exactement. Voilà. Ouais, ouais. Mais alors, quand tu l'enfiles. C'est ça, c'est mm -hmm. ça, c'est ça, c'est ah, ça ça. Euh, un, un, un vêtement vivant, c'est un vêtement vivant, c'est un vêtement qui a une intelligence artificielle. Donc ça, ça, ça te prend. Ah, bah, c'est pour bonne. ça. Mais pour le ça. truc, c'est que c'est tellement vivant que ça te ça, 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 ça se met en résonance avec tous tes organes, ta pression sanguine et ça te maintient une certaine pression sanguine que ah. tu as besoin pour être dans certains environnements. Okay. Oui, d'accord, ça a du sens parce que comme voilà. c'est proche du corps, ça thermorégule ton corps. Voilà, voilà. Ok, voilà. d'accord. Alors, okay, les, okay. Les, les fluides aussi sont euh, récupérés et recyclés. Je ne sais pas comment. Tu peux faire pipi dedans. Euh, je n'ai jamais fait pipi. J'ai jamais, en fait, jamais. Euh, mais on m'a dit qu'on pouvait. Mais j'ai dit non, je ne me tente pas à ça. Et si, <laughs> imagine la grosse commission. Ça ne marche pas. Tu arrives au bar, t'es beau. <laughs> à la cafétéria. <laughs> À la cafétéria. Oh, les terriens sont des porcs. Ça c'est bien connu. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Et voilà, la preuve est là. Attention, c'est les programmes petit. spatiaux qui arrivent. Petite, petite joke en passant. Voilà. Non, non, non. Euh, continue. Les... C'est ça. Donc, donc, voilà. donc, les uniformes étaient comme ça. Il y avait des, des, des couleurs, donc couleur argent, couleur or. Euh, il y en avait des noirs et des rouges, des noirs et des bleus. Euh, J'en ai vu aussi qui étaient très euh, comment je pourrais te dire euh, très coloniaux, tu vois, avec des épaulettes, par exemple, tu vois, euh, comme euh... Toran. Il, voilà. il porte. ce genre. Ben, je viens de te montrer. Voilà. on ben, était sur la même sur la même image. Voilà l'uniforme de Toran. Ok, je l'avais pas vu. Ah oh oui, des épaulettes comme ça, exactement, exactement, tout à fait. Ouais, 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 ouais. Puis il y en avait plein d'autres. Hein. Il y avait, il y en avait. Euh... Ouais. J'ai même vu quelqu'un passer. Ça va te faire rire. Euh, en short, mais en short de cycliste. Ouais. Mais la personne, elle, elle était, euh, comment je pourrais te dire, elle était pas de cheveux. Avec des taches comme léopard. Et comme elle avait les jambes nues, ben, je voyais ses jambes tachetées aussi. Et elle passait comme ça, avec des espèces de petites chaussures translucides. C'était comme des chaussons, mais translucides, qui brillaient. Quand elle marchait, c'était luminescent. Mmh. Ben, elle est passée dans un, dans un couloir comme ça. J'ai fait comme ça. Parce que ce n'était pas courant. J'en vois plein en uniforme, tu vois, avec des soutes et tout. Mais là, je vois celle-là passer avec un short de cycliste. Euh, mais un short de cycliste encore. Très près du corps, tu vois. On aurait dit vraiment une seconde peau. Sur le coup, je pensais que c'était sa peau qui était biton, tu vois. Et après, je me suis rendu compte que c'était vraiment un, un short qu'elle avait. Quoi. Donc euh, il y avait de tout. Mais c'est. Mais j'essaye d'imaginer les gens qui écoutent en ce moment, ce qui, qu'ils doivent se dire. Ils doivent se dire. Mais euh, as-tu pris ses gouttes ce matin, lui, ou ses caché <laughs> Rassurez-vous, dirais... je, je vais très très bien. <laughs> Toi, tu as raconté ça dans tes films, c'est déjà tout dans tes films. Oui. Moi, moi, moi c'est déjà dans mes livres. Je veux dire, euh, ça fait un moment que je… je toi, tes films, c'était avant… Mes films, c'était ouais. en 2019, en avril 2019. Ouais, mais... Et avant 2019, parce que 2019, je les ai sortis au cinéma, Elena. Mais avant 2019, ils étaient faits. Ça fait sept ans que je faisais mon film. Tu étais loin d'écrire ton bouquin il y a sept ans. Non, bah, il y a sept ans… Ouais. Euh, J'ai commencé à, à faire mon film en 2000, euh, à préparer mon film Rive-Sud en 2006. Oh, waouh Voilà, eh ben, je pense qu'on a assez d'éléments pour… Il n'y a pas d'autres questions là je, suis, je suis prêt, là, vas-y. Hein. Euh, Est-ce que tu as entendu parler des ceintures de fréquence C'est-à-dire ces ceintures que beaucoup d'entre eux portent, et spécialement les humanoïdes euh, oui. C'est des ceintures quand tu les mets, ça te ça te fait un, comme un bouclier et c'est ça ça te ça transforme ça supprime ton... la gravité. Voilà ça ça ça, ça s'adapte la gravité ça change la composition de l'air et ça fait un, 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 un bouclier protecteur. est-ce que t'as entendu euh... parler de ces ceintures tu encore capoter. <laughs> Moi j'en ai porté. Enfin, ok euh, bon euh... je suis dans un vaisseau. Je suis enfant, je me promène et il y a des portes qui s'ouvrent et comme je suis un enfant, je suis curieux, je rentre. C'est comme un laboratoire et dans ce laboratoire et même en tant qu'adulte encore récemment, je les ai vus parce que j'ai fait une, une sortie. Est-ce que c'était astral ou pas J'étais dans ce vaisseau et il y avait un panneau avec des seringues avec des aiguilles et il y avait des liquides fluorescents dedans. Je ne sais pas ce que c'était comme injection. Pourquoi okay des boîtiers et des ceintures sur lesquelles il y avait une espèce de, de, de cadran où tu pouvais appuyer dessus. Et je sais que ces ceintures, soit supprimaient la gravité, soit créaient une espèce de cocon de force autour de toi qui était à peu près de 5-6 pouces et qui protégeait le, la personne de toute agression autour de lui, euh, très puissant. Hein, ça pouvait résister à une explosion. Euh, euh, et, et donc, c'était une ceinture qui, qui se mettait sur la... Sur la combinaison en plus. Et j'ai vu ça accroché dans le, dans le vaisseau. Et il y en a pas longtemps, euh, euh, j'étais dans ce vaisseau et euh, j'ai vu plein d'artefacts comme ça de, de différentes choses. Et il y avait ces fameux. Il y avait des pistolets laser, il y avait, il y avait des, euh, des boîtiers de téléporteurs post-téléportés qui étaient gros comme une télécommande. Il y avait des, euh, des phaseurs, il y avait des seringues avec euh, le liquide dont je te parle. Et les seringues. Il y a peu de temps, j'ai découvert que Michael avait parlé d'injection mmh. qui permettait pour les hommes de régresser à l'âge de 23 ans pendant 2500 ans et de rester bloqué comme ça, avec toute leur capacité dans le tapis, genre 100% télékinésique, etc. Et pour les femmes, bloquées à 20 ans. Mmh. Il y avait différents traitements de age régression. Là. Et euh, c'est une technologie qui a été donnée par les extraterrestres, soi-disant pour voyager dans l'espace, parce que comme des fois, ils voyageaient longtemps, ça leur permettait de pas arriver là-bas à 80 ans. Donc, euh, ils avaient une injection ils pouvaient vivre comme ça 2500 ans. Et il y avait deux traitements. Il y avait un traitement avec des gélules qui prenait à peu près trois semaines, un mois. Il fallait que tu en prennes une par jour, etc. Et il y avait l'injection qui était une seule injection où là, tu... C'était quelque chose. Hein. Quand tu te faisais injecter ça, imagine-toi, tu as 50 ans ou 60 ans, et d'un seul coup, tu commences à sentir tes muscles qui commencent à se raidir et puis... Euh, tu tombes par terre avec des convulsions et puis euh, tes cheveux deviennent plus euh, plus blancs, ils disparaissent, puis tes muscles ressortent, puis tu te retrouves à 20 ans. Et euh, j'ai vu ces injections qui étaient sur le mur. Je les ai vues de mes yeux. Et il y avait ces ceintures. Et il y avait des il y avait des, des, comme, des, des, euh, comme des sarcophages avec les soutes à l'intérieur, avec les casques et les soutes à côté et il y avait un mur avec ces fameuses ceintures. Et je sais que c'était pour ça. Non. Nous, quand on était en mission avec, euh, avec David, on avait ça. Son nom. Voilà. Et je pense que je n'ai pas eu le temps d'appuyer sur le bouton quand je me suis fait euh, mm -hmm. balayer par la queue de drapeau voilà. Parce que je ne la mettais pas tout le temps. Je, appuies quand quand tu arrives dans quelque chose de style, tu fais OK, on charge nos armes, piouf, on appuie sur le bouton, puis bouf, ça fait. Ça fait bouf, bouf, tu sens Ça, ça bourdonne vrai. autour de ta tête. Et ouais, ouais, tu as l'impression d'avoir une bulle de savon autour de toi. Comme une bulle de savon. Tu sais, tu as déjà vu les gars qui font des bulles de savon géantes, là, puis ah ouais. qui s'entourent là C'est irisé un peu. Magnifique, là. Ben, ça faisait irisé exactement comme de l'eau sur une plaque d'essence. Voilà. Ah, ouais. Voilà. C'est comme de l'essence, tu vois, là. Ah, voilà. Ça fait des mauve, violet, bain, toi. Le, le temps que tu as passé sur l'Excelsior. Euh, Alors, c'est marrant, moi, on ne oui. m'a pas donné ce nom, l'Excelsior, parce que c'est okay. comme les gens de la Terre le nom, la nomment, cette station spatiale. Mmh. Ou peut-être mmh. c'est juste les. les, les... Les, les quarters ou les... je sais mm -hmm. pas, mais enfin, euh, c'est le même vaisseau, c'est la même station spatiale. Ouais. Euh, quand tu, tu, tu te souviens être là, c'était pourquoi Qu'est-ce que tu y faisais Sur l'Excelsior Oui. J'étais allé me reposer. D'accord. J'étais allé, euh, ben, j'allais souvent. J'étais plus sur le Solaris, mais j'allais sur l'Excelsior pour euh, passer du bon temps, aller voir des trucs et tout, ah, et ça. notamment aller euh, à la cafette, et puis euh, voilà. aller voir des gens, parler avec différentes races. Euh, euh, je me rappelle que je parlais beaucoup avec différentes extraterrestres euh, qui, qui me racontaient leur journée. Ou... Mais c'est vraiment comme si j'étais en train de parler avec des potes euh, de travail. Qu'est-ce qu que tu as fait ah, ben, Moi, J'étais dans, dans tel cadran ce week-end, euh, ça a tiré secos, euh, on s'est retrouvé pris entre deux feux. Euh, ah oui, moi j'étais sur euh, tel, tel cadran ou tel machin. tu vois. C'est les et conversations. Dans, euh, ouais, oui, des, des, des conversations qu'on en pourrait avoir normal euh, ça, et qui sont, qui sont purement euh, réelles et pas fictives. C'est la vie de Toron, hein il, il fait ses missions sur des vaisseaux et puis il habite sur cette station. Il part au boulot sur un vaisseau, il va faire des trucs. Exactement, c'est ça. Ils partent au boulot. Et là, ils se rejoignent tous à la cafétéria ou ils se rejoignent au bar. La cafétéria, c'est plus pour se restaurer. Mais le bar, c'est plus pour se détendre entre potes. Et puis là, tu vois les gens qu'il y a. Tu en qui sont assez spéciaux, qui font sept pieds de haut. Et puis, quand tu les regardes, tu lèves la tête. Mais ils sont super gentils. Mais c'est fou. C'est fou toutes ces synchronicités là, là. Alors, voilà alors euh... oh. as-tu d'autres questions T'es sûr que parce qu'on a, on a essayé de couvrir tous les sujets mais alors là on oui. est allé beaucoup plus loin on l'a c'était pas prévu, pas prévu. <laughs> euh, non. je veux dire on, on a décidé de faire cette émission de comme un accord pour parce qu'on en a fait oui. une en anglais oui. Et euh, elle, était, elle a eu un énorme succès et l'audience oui. française était très frustrée. Donc, on, oui. dit, on, la, on l'a refait. Parce qu'on euh, était deux français, français. on voilà, voilà. parlait anglais. C'est ça, ça le but. Donc, maintenant, on a décidé de, de refaire à peu près la même chose en français, sauf que là, on a dérapé total. Euh, oui, parce que le but de cette vidéo, en fait, c'est euh, mmh. de. de de faire un double en Avec... français de la première, mais là, on est allé complètement euh, dériver. Avec des la détails la... que Ouh les gens ont posé comme question, mais dites-moi, par la mission d'aller péter du draco, est-ce qu'ils ont eu, je ne sais pas moi, des euh, odeurs dans les classes, des machins Alors là... Ah, les odeurs, en parlons-en. Alors, tous oui. les extraterrestres sentent, je... on sent, mais on, on ne se rend plus compte de notre odeur. Alors, moi, <laughs> quand je vais là-haut, je... pétard, les, les... pétard les odeurs, il euh, ben, y, y en a, surtout les, 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 grasses, euh, les races reptiloïdes comme certaines, je veux dire, c'est... Euh... On avait des jokes comme ça. On avait des jokes Merci. entre nous. On disait « euh, Va te doucher, ah. tu sens le gris. <laughs> » <Le gris>, mais... <laughs> Parce qu'ils sentaient un peu l'œuf pourri, tu sais. Ils ont, pourri. Une odeur... voilà. Ils ont une, oeuvre, une odeur particulière. L'œuf pourri, le soufre ou l'œuf pourri. ou les Oui, c'est ça. Oh, c'est ouais. une odeur voilà. très... Euh, ça, ça pique les yeux, même. C'est <laughs> ça. Et euh, ouais. sur ouais. les plus c'est petit, plus ça sent. <laughs> oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. La preuve, nous avons ici <rire> une. <rire> ah, ah, ah. Non, je précise Alors, que... ça, ça a été acheté à Roswell. J'ai trouvé vraiment... ça, je ne l'ai jamais bu hein, Alors... parce que. <laughs> Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on qu papote là, mais. Aucune euh, idée, euh, mais à mon avis, on voilà. doit, être, on doit, on doit donc, être aux deux je, heures. Je, donc, Jean-Charles euh, euh, a fait oui. des films. Ah, euh, oui, je voudrais que les gens connaissent un peu mon histoire, puis en même temps, bah, s'ils veulent m'encourager en, en écoutant mon histoire euh, avec des belles images et puis des belles musiques, eh bien je les invite à voir euh, mes deux films. Alors, qu'est-ce que j'ai fait alors, parle-nous d'abord. Dans l'ordre, le, le, le premier s'appelle Rive Sud d'origine parce que je vis sur la Rive Sud de Montréal, au Canada, au Québec. Donc, j'ai décidé d'appeler ça Rive Sud. J'aurais pu appeler ça euh, Mémoire d'un abducté, euh, mais je ne l'ai pas fait. Bon. Donc, j'ai décidé d'appeler ça Rive Sud. Euh, dans ce, dans ce docu-film fiction, entre guillemets, j'ai fait exprès de dire que c'était fiction, parce qu'au euh, début, euh, l'ouverture d'esprit n'était pas la même qu'en ce moment. Donc, euh, j'avais une crainte, euh, honnêtement, hein, c'est vrai, du jugement. Et puis, je me suis dit, je vais me faire défoncer, les gens ne vont pas être gentils. Puis après, oh, je n'avais pas envie de dealer avec ce genre de choses. Donc, j'ai décidé de faire un film en mettant, en insérant dedans tout ce qui m'est arrivé, en prenant le rôle d'un personnage que j'ai appelé, effectivement, Jonathan Fox. Pourquoi bah, Déjà, j'aime bien le, le, le prénom de Jonathan, je, je trouve ça cool, j'aime ça. Et Fox. À cause de Fox Mulder dans X-Files, avec Scully et tout, dans, dans la série X-Files des années 90. Donc, je voulais faire un petit clin d'œil. Et puis, euh, Mélanie, euh, euh, ma femme, euh, qui partage ma vie, avec qui elle a eu, nous avons eu des expériences similaires aussi dans des vaisseaux quand on était euh, ensemble. On, on en reparlera un autre jour. <laughs> eh bien, euh, nous avons décidé de, de l'appeler la, Annabelle à l'intérieur, Annabelle Parker dans le film. Et puis, elle était agent spécial des forces de police canadiennes. Et moi, j'étais agent spécial des forces françaises. Et on se mettait ensemble, on faisait une, un tandem et on. On menait l'enquête sur les phénomènes d'abduction au Canada et dans le monde, avec des, des, des trafics humains en rapport avec les extraterrestres, etc. etc. Donc, on a placé tout ce que j'avais à placer dedans sur ma vie. Donc, il y a 90% du film, c'est la réalité. Donc, les gens, ils étaient un peu perdus, etc. C'est un peu ma vie, mais romancée, en fait, dans, dans, euh, dans Rive Sud. Donc, euh, Rive Sud Origine 1. Et là, j'ai décidé d'en faire un deuxième qui est la suite du premier puisque le premier se finit sur, sur un cliffhanger, sur un, un suspense euh, dans lequel euh, va jouer euh, un caméo euh, dedans de, de Michael Salah, qui a accepté euh, gentiment de jouer dans mon deuxième film puisque j'avais dédié mon premier film à Michael et à différentes personnes. Et euh, je lui ai demandé s'il il accepterait d'apparaître de, dedans et et la vie a fait que euh, la vie, <laughs> les étoiles <laughs> se sont alignées pour que je rencontre Michael en chair et en os euh, à Montréal. On a tourné des scènes pour mon film, pour le deuxième Rive-Sud. Et ensuite, euh, il nous a invités à venir à Hawaï. Et la vie a fait que j'ai pu aller à Hawaï. Et on est devenu très proches, très amis, euh, à tel point que. À Hawaï, j'ai demandé la main de ma femme en haut du, du Mauna Kea, qui est la montagne la plus haute du monde, euh, à Hawaï, et le témoin, c'était Michael Zala. Petite parenthèse, j'aime bien le placer parce que c'est tellement oui. incroyable. Oh non, mais c'est magnifique, je euh, veux dire, euh, c'est tellement romantique. Alors... Après ça, j'ai décidé de faire des capsules euh, sur ma vie, euh, 15 capsules de 10 minutes, s'il faut à peu près 2 euh, heures à peu près qui racontait tout ce qui m'est arrivé, le supermarché, mes téléportations, euh, mes NDE. Mes, euh, mes NDE, NDE c'est euh, Near Death Experience. Euh, 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 expérience de mort imminente. Voilà, expérience de mort imminente, parce que je, je travaillais dans un, dans un bar euh, comme, comme portier, comme doorman, comme euh, pas comment on a appelé, agent de sécurité. Ouais. Et puis, il y a eu un accident un soir et je suis mort neuf minutes de vrai, je suis décédé, 9 minutes. Et euh, donc, je suis revenu à la vie après, bref, euh, j'en parle de, dans, dans mes capsules. Et pour que les gens me, con, me connaissent mieux, alors avec euh, toutes les anecdotes hein, qu'on qu peut avoir dedans, donc je les invite à les regarder, et c'est essentiel, pourquoi je vous dis ça Parce qu'une fois qu'ils auront vu ces 15 capsules sur ma vie, ils vont pouvoir enchaîner sur un nouveau documentaire que j'ai fait, où là, c'est 100% vrai, complètement, il hein, n'y a pas de romance dedans, qui s'appelle Révélation. Starseed, qui est tout sur ma vie en rapport avec la Space Force, qui m'est arrivé à l'hôpital, etc. etc. Donc, si vous n'avez pas vu le prérequis, qui est plus que prérequis, les 15 capsules, vous allez être perdu. C'est qui Victor C'est qui lui Pourquoi lui Pourquoi il est dans la Space Force si Tu ne vas pas regarder le dernier épisode de Star Wars, le 9e, sans savoir qui est Maître Yoda. Tu vois <laughs> Sinon, euh, tu es perdu. Donc, j'encourage les gens à aller voir les capsules avant de voir Révélation Starseed. C'est très important. Tous ces films, donc ma chaîne YouTube, c'est Connexion Alien, sur laquelle vous pouvez me trouver. Hein. Elles sont disponibles, les capsules, en anglais et en français. Donc, si vous voyez les premières en anglais, c'est les dernières que j'ai mises en ligne, euh, n'ayez pas peur, elles existent en français. Vous avez juste à scroller plus bas et vous verrez qu'après, les icônes américains, il y aura toutes celles en français. OK donc là, vous la regardez dans l'ordre parce que c'est important, elles se suivent toutes. Elles sont doublées mmh. en français. français ne en français. Français, c'est l'original, et elles sont doublées en anglais. Vous regardez ça, et après vous allez sur Vimeo et vous tombez. Et il y aura là, il y aura les adresses. Euh, Elena, tu vas mettre les, les oui, liens. Oui, euh, tous les liens là pour ceux qui seront mis. Cette vidéo, donc ils sont dans la description euh, de cette vidéo. Il y aura marqué. Riffus d'origine sur Vimeo. Voilà. Et, euh, et sur euh, Révélation Starseed. Et vous ne pouvez les, les, pas les télécharger, vous pouvez les voir indéfiniment. Quand vous les achetez, vous avez accès à vie euh, dans, le, dans, votre, dans votre achat, dans votre sac d'achat de Vimeo. Donc, euh, voilà. C est, c est... Et euh, Rive Sud 2 devrait sortir probablement euh, cette année à cause des restrictions qu'il y a eu que je ne renommerai pas. Okay. Euh, on a pris beaucoup de retard, je n'ai pas pu voyager comme j'aurais dû. Je devais retourner aux Bahamas, dans le Triangle des Bermudes, où j'étais invité à aller faire de la plongée dans des boyaux euh, dans lesquels des bouteilles d'oxygène ne passent pas. Donc il aurait fallu que je descende en apnée pour aller rencontrer des êtres aquatiques qui auraient été vus par des pêcheurs et qui sortaient au crépuscule se baigner. Et euh, j'avoue être courageux, mais là. Oui, j'aurais attendu le crépuscule, hein. Ouais, ben c'est ça. Donc, euh, j'ai pas pu y aller, euh, et euh, parce qu'on on reprenait l'avion le lendemain, donc euh, on devait retourner là. -bas. Donc, peut-être que Rive Sud 3, qui sait Je ne sais pas. Mais euh, toujours est-il que, euh, voilà, ce sont les modestes les modestes œuvres que j'ai faites pour raconter mon histoire. Et donc, si vous voulez les voir, et eh bien, je vous invite à rentrer dans 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 l'univers. Euh, que je vis à chaque jour, parce que ça continue. J'ai encore des, des connexions, des contacts, et je, je, je vois beaucoup de choses, et beaucoup de gens viennent à moi et me partagent leur histoire. Et, et je remercie encore Elena de, de, de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir parler de mon histoire, ainsi que Michael et Tony. Donc, c'est très apprécié. Et ça a été long aujourd'hui, mais bon. Au moins, je pense qu'on a dit plus de choses qu'avant. Euh, euh, bien sûr qu'il y aura peut-être des gens qui pourront d'autres questions, mais je trouve que voilà, déjà, on, a, on a vraiment bien euh, brossé le tableau avec des détails. Euh. Ben non, je pense qu'on a un peu fait le tour. Euh, je n'ai euh, plus de questions. Je, dire, je suis assez euh, lessivée par une <laughs> J'essaie de garder une contenance mais euh, bah écoute euh, on se retrouve après l'émission au petit bar en haut euh, pour une boisson bleue <laughs> ah non mais avec ça <laughs> j'ai Toran qui, 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 qui écoute là euh, probablement qu'il n'y a pas que lui qui écoute je l'ai hein. entendu rire à un moment donné euh, mais c'est tout ça mais, euh, mais oui euh, voilà. mais beaucoup donc, de choses je... se passent cette année 2022 c'est l'année des révélations. Demain, des révélations. on est le 22 du 02 2022. Voilà, nous enregistrons cette émission. Voilà, juste c'est déjà, déjà le 22 chez moi. Ok, bon. Eh ben oui, ça y est, c'est le 22 02 20 22. Waouh! Voilà. C'est quelque chose, hein? <laughs> Jean-Charles, écoute. Euh... Oui. Euh... Pour terminer cette, cette émission, enfin cette vidéo, on va. Ouais. Je, je demande toujours à mes invités de, de donner un conseil de guidance pour les humains de la Terre euh, mmh. en ce qui concerne ces temps de, de challenge. challenge S'il te plaît, qu'est-ce que tu dirais ah, Écoutez, euh, restez connectés avec ce que vous êtes au fond de vous. Euh, surtout, continuez à partager autour de vous ce que vous avez vécu, même si ça vous paraît fou. Euh, et que c est, c est, c est... vous allez penser que on, on, les gens sont fous, mais non, non, non. Continuez à partager votre lumière, continuez à partager vos expériences, n'ayez pas peur, ouvrez-vous et surtout soyez réceptifs à tout ce qui nous entoure parce qu'en ce moment, au niveau énergétique, dans l'espace, il se passe quelque chose. Nous sommes zoomés, scrutés par tous les êtres de la galaxie qui compatissent beaucoup à ce qui nous arrive sur Terre en ce moment et qui nous envoient tout leur amour et leur énergie. Et que je pense que l'être humain est en train de, de, de s'élever au niveau euh, vibratoire avec tout ce qui se passe en ce moment, avec l'activation des arches, avec l'activation de, tout de, de toutes les portes transdimensionnelles et vortex qui y a en ce moment sur la planète. Et je suis certain que ceux qui m'écoutent présentement doivent très bien savoir de je parler. Donc, à toutes ces personnes-là, je leur envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie. Et que la paix soit dans vos cœurs. Et je vous aime tous. Merci beaucoup. Merci, Jean-Charles. Regarde ce qu'il y a derrière moi. J'ai acheté ce poster parce que j'ai... Euh... Oh my god! Mais c'est ça? Oui. Ok, alors tu as un poster derrière toi oui. du vaisseau que tu m'as montré sur ton bouquin, que moi je ne savais pas derrière toi, que j'ai mis dans mon film, quatre ans avant de te connaître. J'ai acheté ce poster parce que ça me rappelait mon dessin. Ma, la, la, la station, je vais et je l'ai mis. Et tu vois, je, je dors là. Et euh, tous les soirs, je touche le mur. Je dis Ah, j'aimerais bien Donc. tout ce qu'on vient de, de, de réaliser que là, on est sur la même station. Ok, c'est incroyable. <laughs> um, something uh, quite disturbing just happened. So you see this. Uh, Jean-Charles put this image in his uh, movie. Say uh, Shore Origin uh, Part One in uh, four years before I uh, I know you. Okay. And uh, this is uh, the the spaceship um, Excelsior. That's and it. Uh, I, I was in inside of the spaceship and we have the same memories with uh, Elena, and uh, we we remember we are in the cafeteria. Yes. And uh, a bar, and all the details match. And and, and in in the hole in the hole um, of, on the spaceship, there is a lot of people waiting to uh, to um, to teleport uh, to another destination inside the, the the spaceship because the spaceship was very huge, and yes. some people uh, go to the circle when they put her her feet. Into the, the ground, the circle light up. the the people disappear, teleport, teleport. Yes, uh, it's the interior of the ship, uh, with all the metallic uh, foot bridges everywhere, with yeah. the same triangular structures on it. Uh, yes. The, the 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 cafeteria, the shops, the the, the shops. I draw it, bartenders, floating. Yes. Uh, yes. egg shapes uh, And uh, okay. a, a lot of windows surround, er, surround yes. us with the space view outside. Yeah, and the hallway is the same with the um, uh, alcoves. Uh, yes. Yes. Alcoves with the, the big yes. windows looking on space. Yes. Uh, what else? Well, we we so many other details. That is the excelsior yes and this is the same picture behind you and i i don't see the picture because you you are in the front and i discover now this is the same spaceship in my south shore origin yeah and i bought I this poster described. because it resembled so much to Thorhan's battle station. I bought the poster because every night I, I just touched it. Oh, I wish I was there because it's the closest I can find that looks like it. And you same, uh, because we realized that's the same sheep, the sheep where Thorhan works. There's so much more details, uh, that, uh, but jean-charles is the first person that can confirm he went on this ship as well, because the details, you cannot make them up. Michael, and nobody what? knows this detail. you, you don't talk any, anybody. <sighs> you don't talk this detail. it was um, the interview was an uh, open uh, answer and open question, and uh, we don't prepare nothing when we we start this interview different place sectors in, yeah. in the, the the station the space station where you yes with the different ecosystem races, and uh, different ecosystem with the races i mean it's incredible so this is it the space station where thorhan works the battle station of the galactic federation yeah jean charles used to go there and the people working in Solar Warden calls this space station from the Federation, the Excelsior, yeah. the Mantis. Yes, the Mantis is, is the oh same Mantis and your, your book. It's yes, the, the same. Oh my the, God. the Mantis, it teach me and, and training me the fight and the develop my telekinesis and a uh, lot of things. She was very kind with me and yeah. she's uh, the same. In your book. That's the same. And uh, yes, because these mantis, yes. well, you know, yes, they are not. Um, I think there's only one on this ship, and she's working with Denethor. No. Yeah. And um, in the this se section, uh, about military science. I never could understand what she was doing. Uh, she's working and 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 Denethor um, at uh, the science section of a uh, ex military experiment that's all i yes. know mm -hmm. and uh, okay and then a thor this guy who was with her was the guy who was working with val thor in the pentagon and that's the blonde he's the blonde guy on a photo of i think it's phil schneider he, that's yeah. the same uh, person so he was starting the solar Warden, and you know, the Valiant Thor was starting the solar Warden yeah, programs yeah. in the Pentagon, mm -hmm. and then mm -hmm. Thor was um, from the Federation, and he was there as well. Uh, so <laughs> that's the same Mantis that works in the space programs. In, yes, in this. that's the same that I met and that mm -hmm. you met. Mm -hmm. This is the same. So I never been in SSP ever. I we don't, just we, we don't, a... yeah, we don't know, remember, but we remember the same yes. detail and it's, it's impossible. The glasses, the drink, the, the, the drink, the shape uh, the, of the glasses, a lot of things, a lot of things. There's the, a the bay window with the universe when the, and the, the bartender with the jewelry and the, and the, the, your poster behind you. And oh, uh, did you remember the, the, these tables, they are anti-gravity uh, tables. Yes, yes, yes. I describe the same table, translucent table, in the in yeah. the classroom, in the classroom with David. I have a, a table in levitation. No, no feet. Everything is in in this suspension. It's it's the same thing, but it's in the, in the, in the bar, in the cafeteria. There is a, the same uh, the same things. Because yeah, there's something, but that's on Jupiter. But uh, there's a um, so there's a bar. Okay, um, it's the same um, architecture anyway. Where is it? This one? Yes, 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 yes. There we go. Yes, the same. Okay. Everything, oh, yeah. everything is the same. Okay. I don't find the the the, the word the word because I'm. We cry together because our memory. Uh, um, remember, it's the sensation. You can you can lie. Um, I think. Um, well, that's it. Uh, what to say else? <laughs> Donc là, tu peux me confirmer que l'image et le son sont bons, l'éclairage est bon. Oui, impeccable. La fluidité aussi, tout, tout va bien Tout va bien, tout va bien. Bon, c'est parfait. Fantastique. Bon. Euh, Alors, tu ne m'appelles pas Jean-Claude pour... pour commencer. <laughs> Ça... Bonjour Jean-François. <laughs> Excuse-moi. Ah Bonsoir tout le monde. Ce soir, un invité extraordinaire. Jean-Charles Moyen. Jean-Charles, vous avez été euh, enrôlé dans les programmes spatiaux secrets français. Mais euh, tout d'abord, Jean-Charles, Jean euh, bonsoir. <laughs> Mais là, <non. rire> je la <laughs> Jean, -Charles. jean claude Je Pourquoi tu m'appelles Jean-Claude Pourquoi ça sort C'est fou. on vient de le dire en plus Elena, on t'a dit surtout dis pas Jean-Claude, tu dis bonjour Jean-Charles et après tu fais donc Jean-Claude, racontez-nous votre histoire. <laughs> en avec fait, ça, Jean-Charles et tout et là tu lui dis racontez-nous votre histoire Jean-Claude, Jean-Charles. <laughs> non. <rire> Amulkéria, bonjour. D'accord. Alors, okay, les, okay. Les, les fluides aussi sont euh, récupérés et recyclés. Je ne sais pas comment. Tu peux faire pipi dedans. Euh, j'ai jamais fait pipi. J'ai jamais, en fait, jamais. Euh, mais on m'a dit qu'on pouvait. Mais j'ai dit non, je ne me tente pas à ça. Et si dit, imagine tente, la grosse commission. La laisse, ça ne marche pas. La tu arrives au bar, t'es beau. Oh. À, la cafété... à la cafétéria. Oh, les terriens sont des porcs. Ça c'est bien connu. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Et voilà, la preuve est là. Attention, oh, petit... c'est les programmes oui. spatiaux qui arrivent. Va te doucher, ah. tu sens le gris. Ah. Oui, c'est ça. Oh, c'est ouais, une odeur les... très. Euh, ça, ça, ça pique les yeux même, tu Ça et euh, ouais. surtout les plus petit, plus ça sent. Je... <laughs> <laughs> Ami Alors... bonjour. <laughs>